Bonsoir, heureuse d'être à vos côtés pour 2h30 de direct, 2h30 pour se poser, se parler, échanger, être ensemble. La petite équipe qui m'entoure est impatiente de vous accueillir au 3921. Sonia et Paul sont là, tout prêts, ainsi que Philippe Chartier aux commandes. Et je compte aussi, bien sûr, sur vos messages. Les mails, c'est europe1.fr. Les SMS au 739-21. Et votre message SMS, commencez-le bien par le mot nuit, si vous voulez qu'il parvienne jusqu'à moi. Pour les mails, il n'y a pas besoin, hein, parce qu'on reçoit des mails avec le mot de passe aussi nuit. Ça fonctionne sans. Allez, 39-21 pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur quand vous le souhaitez. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle parce que je me pose pas mal de questions en ce moment. Enfin, mes enfants s'en posent plus que moi d'ailleurs. Je vais vous faire un petit laïus de. Quel genre de questions pour... Attendez, il y a un petit souci. Parlez-moi bien dans le combiné ou je sais pas. Il y a un petit. Voilà. Là, c'est bien. C'est mieux. Parfait, Nathalie. D'accord. Oui. D'accord. Donc là, j'ai actuellement 53 ans. Oui. J'ai connu le père de mes enfants il y a 28 ans. Et on a eu 3 enfants. Et actuellement, ils ont 24, 21, 15 ans. Voilà. Oui. Quand je l'ai connu, moi, j'étais salariée. Et lui, il commençait à se lancer dans les achats de fonds de commerce, etc. Il les a exploités, il était associé à d'autres personnes, voilà. Il a fonctionné comme ça pendant à peu près 3 ans. Moi, de mon côté, j'étais toujours salariée, etc. Et puis, lui, il a commencé à... Enfin, ça n'a pas marché, ça a périclité ces affaires-là. Donc après, il s'est relancé dans un autre domaine, on va dire. Et puis il a ouvert des magasins, et puis là, comme je pouvais, j'ai eu mon premier enfant parallèlement à ça avec lui. Et puis comme il a fallu que je cesse mon travail parce qu'on travaillait tous les deux dimanches, donc il a fallu que je démissionne et puis je trouve un autre travail qui me permettait de pallier à mon problème de garde de mon enfant. Et puis, donc, je me suis dit, je vais faire la comptabilité des magasins dans lesquels il s'était engagé, quoi. Donc, on a fonctionné comme ça une dizaine d'années. Vous avez travaillé ensemble, finalement. Lui voilà. S'installait à son compte, c'est ça? Il était à son compte, voilà, et vous l'aidiez. Vous étiez salarié ou sa salariée. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, on a travaillé une bonne dizaine d'années. Et puis, pendant ces 10 ans-là, si vous voulez, je me suis rendu compte c'est un gars qui est ambitieux, etc. Mais bon, un peu naïf aussi. Et puis, il avait toujours un tas de projets. Il voulait toujours s'engager. En fait, il voulait vivre au-dessus de ses moyens. Moi, je suis pas comme ça. Je suis très raisonnable, etc. Donc, ça a été difficile pour moi de le suivre, mais je l'ai fait quand même. Parce que on était ensemble, et on était partis pour être ensemble. Hein. Donc, j'ai eu ma fille aussi, ma deuxième. Et puis, ces magasins ont à nouveau... on a dû déposer le bilan. Enfin, à ma demande, j'ai fait un dépôt de bilan des magasins, etc. Donc, on s'est retrouvés en l'an 2000, pratiquement sans rien. Et comment avez-vous fait, alors? Lui, il a rebondi à nouveau parce que c'est un homme qui avait toujours des ressources, etc., et des connaissances. Donc, il a rebondi encore dans un autre domaine. Et moi, parallèlement, j'avais eu mon troisième enfant en 2000. Au moment où on a déposé les bilans, j'avais le troisième enfant. Finalement, voilà, donc, ça ne marche pas sur le plan professionnel, vous faites des bébés. Ça, au moins, c'est une chose de sûre. Et puis, du coup... En l'an 2000, je suis restée un an sans travailler. Oui. Et puis j'ai plus travaillé. Enfin bref, j'ai trouvé un poste dans une mairie, etc. Et puis. Et lui, continuait toujours un autre projet. Toujours, il a toujours plein de projets en tête. Vous êtes donc vous avez là un poste stable. Oui, c'est en ça. Mairie. Moi, je suis stable. C'est dans ma personnalité aussi d'être toujours stable, tranquille, voilà. Oui, alors que lui a toujours mille et un projets en tête, mais c'est un peu compliqué de les mener à terme, quoi.
Voilà. Et puis, il s'est mis à avoir des projets, mais c'est-à-dire qu'il a laissé tomber tout ce qui était alimentaire, on va dire, c'est-à-dire ce qui nous laissait rentrer un peu d'argent. Oui. Et puis, il s'est mis à rêver sur des grands projets, de plus en plus grands. Et puis, moi, je voyais bien que c'était qu'il n'était pas bien entouré, etc., et qu'il allait dans le mur, mais il ne se rendait pas compte. Et il était complètement fermé. Et comme il est orgueilleux, c'était toujours, non, laisse-moi travailler, je sais ce que je fais, t'inquiète pas, ça va rentrer, etc., etc. Et puis pendant encore pas mal d'années comme ça. C'est un peu insécurisant. Heureusement que vous aviez un emploi stable, parce que finalement, Oui, j'avais un emploi stable, mais ça toi, vous je suis vous pas angoissait certifiée. pas par certains moments. Enfin, vous avez, avec vos Ah trois si, parce enfants, que. lui, bon, il part dans ses grands projets, mais au fond, Si, ça m'a c'est pas. déstabilisée complètement, parce que Je d'abord, c'est pas comprends. dans ma nature, hein, tout ça. Et puis j'ai même fait une petite dépression en 6 mois, alors que bon, c'était pas mon truc non plus. Et mon grand garçon aussi a fait une dépression. Alors bon, a priori, c'était pas à cause de ça. C'était un problème de fille. Mais globalement, si vous voulez, il y avait une ambiance morose dans la maison qui régnait depuis quelques années, qui était Oui. terrible à vivre, hein. Et vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui? Alors non, aujourd'hui, donc je l'ai quitté il y a 1 an là. Et puis donc moi je suis toujours salariée. Oui. Lui, il est donc il a plus rien en fait. Il est en location dans un logement là. Mais le problème, c'est que non, il ne vit plus que maintenant que par ses projets. C'est-à-dire que là, il vit parce qu'il a eu un petit pécule à la vente de la maison, mais sinon il a rien. Et il a de moins en moins. Et puis Mais c'est-à-dire qu'il a encore un autre projet en tête dans un autre domaine qu'il veut il en a concrétiser. plein. Comment? Oui, il a plein de projets, mais des projets Oui, mais ça faramineux. marche pas, ça. Ben non, ça Dans peut les pas faits, c'est pas un marcher. entrepreneur. Enfin, il gère mal Non. son, il Oui, gère mal son ça, c'est affaire, ça. semble-t-il. Oui, c'est Il ça. est peut-être très créatif, mais il faudrait qu'il s'entoure de quelqu'un qui, lui, a les pieds sur terre. Il a peut-être cette part créative très bien, mais il faudrait à ce moment-là qu'il s'entoure. Vous voyez, de quelqu'un Oui, qui c'est ça. s'occupe de la partie finance, là. Ben oui, bien sûr. Alors, ces enfants qui grandissent maintenant se rendent compte du problème. Oui. Et on sent pathologique chez lui. Mais les enfants, alors moi j'ai essayé par tous les moyens de lui faire de le faire redescendre sur terre, parce que pour Oui. moi il est monté là-haut, quoi. J'ai l'impression qu'il est protégé Oui. quand il est là-haut. Là-haut, Oui. c'est-à-dire il est tellement, oui, il perd pied un peu avec la réalité, au fond, il Oui, a. c'est ça. Il Un n'est peu plus dans la réalité. Enfin, des rêves de grandeur, de. c'est ça. C'est l'effet que ça me fait, que ça fait aux enfants aussi, etc. Sauf Oui. que bon, mon aîné, bon le garçon, ça va, il prend ça un peu de recul là-dessus. Mais ma fille, par exemple, elle est très touchée par ça. Elle a 21 ans quand même. Elle fait un peu d'études là, mais Oui. elle est touchée, ça la Elle se fait du perturbe. souci pour son père, ça l'inquiète Oui, elle finalement. se fait du Oui, elle se souci. rend Bon, compte elle se rend qu'il va compte pas que c'est bien. pathologique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il est complètement fermé, le problème. C'est que dès qu'on lui parle de. Parce que par exemple, il pourrait toucher sa retraite. Bon, elle est moins de 1 000 euros, certes, c'est pas beaucoup, Oui. mais ce serait déjà ça. Oui. Mais il ne le fait pas par orgueil, et puis parce qu'il dit qu'il la touche pas à taux plein, donc il attend. Mais en fait, il attend pour rien, parce que globalement, il cotise pas. Enfin, vous voyez, tout Mais ça. puisque finalement il entreprend des choses, mais ça se casse la figure, est-ce qu'il laisse des dettes finalement? Est-ce que derrière lui, comment ça se passe Oui. après? Bah oui, en fait, il a laissé beaucoup de dettes à droite à gauche, et en fait, Oh c'était là moi à l'époque qui les là. avait pris sur le dos, parce que lui, Ah oui. il pouvait pas pour il avait eu un problème aussi. Donc c'était moi, je l'ai suivi Oh pendant là des là, années, oui. j'ai pris sur moi, et donc aujourd'hui je me retrouve bien sûr embêtée, etc., tous les Oui, côtés. parce que vous êtes toujours, vous, de votre côté, à devoir régler ça. Enfin, Ah oui. c'est. Oui, tout Et à fait, parce que les dettes sont aujourd'hui. valables pour longtemps, hein. Mais aujourd'hui, vous êtes séparés aussi sur ce plan-là. Vous avez pris Alors, vos dispositions pour ne plus oui, être. alors heureusement, j'ai repris les règles. Il y a un moment, il y a 2, 3 ans, je me suis rendu compte que c'est plus possible. Oui, Bon, oui. parce que déjà, il devenait assez exécrable au niveau caractère, parce qu'il était tendu, hein, voilà. Oui, ils se rendent bien Donc, compte quand je même supportais que. plus ça. Du coup, parallèlement, j'ai connu quelqu'un aussi qui m'a un rayon de soleil pour moi, qui m'a fait du bien, qui m'a sorti un peu de Oui. cet enfer là que je vivais.
Et vous êtes toujours avec cet homme, vous ? Oui, moi, oui. Bon, c'est bien, vous retrouvez, vous, une stabilité. Alors, en fait, je ne suis pas avec, je suis toute seule, mais bon, je le fréquente régulièrement, voilà. Et puis, mon souci, c'est quand même mon plus gros souci. Bon, moi, c'est sûr que je me reproche de pas d'avoir attendu trop longtemps avant de me rendre compte qu'il m'emmenait dans des trucs pas possibles et puis qu'il n'était pas fiable, raisonnable. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que ma fille, aujourd'hui, elle est prête, par exemple, à quitter son petit ami d'aujourd'hui, bon, même si c'est pas hyper sérieux, mais, et puis de prendre un studio pour héberger son père, par exemple. Et vous voyez. Oh là là, oui, alors ça, je comprends que ça vous inquiète, oui, parce que. Ben oui, ça m'inquiète. Alors, elle, comment faire oui. C'est ça que je voudrais avoir vos lumières, on va dire. Parce que j'aimerais savoir comment je dois agir avec oui, ma fille. Oui, elle est très sensible, très proche de son père, qu'elle aime beaucoup. Elle se rend compte qu'il ne va pas bien, qu'il est fragile, elle veut l'aider. Oui, voilà. Certainement. C'est quelqu'un de gentil, il est serviable quand il a de l'argent, il en donne. Enfin, c'est quelqu'un. Sinon, il est bien, mais il est vraiment en dehors de la réalité. Oui. Alors, ça vient peut-être de son enfance, parce que sa mère l'a abandonné. Bon, il a des casseroles. Hein. Donc, certainement. Certainement, oui. Mais par rapport à votre fille, enfin, là, c'est important déjà que vous, quand même, vous lui parliez, parce que ça n'a pas de sens, là. Elle n'a pas à sacrifier, elle, sa vie pour prendre en charge son père, parce que de toute façon, ça ne l'aidera pas, son père. Elle peut pas... Enfin, ça n'aurait pas de sens si vous me dites si elle est avec un petit ami. Alors peut-être qu'elle prend ce prétexte-là pour quitter ce garçon, ça c'est autre chose. Mais enfin, si elle est avec un petit ami, quitter ce garçon pour que son père vienne vivre avec elle dans le studio, ça va pas du tout, ça. Ça va pas et ça ne l'aidera pas, son père. Il est pas à la rue. En plus, bon, il a quand même 63 ans. Enfin, je veux dire, il doit être responsable à un moment donné. Enfin, Oui, mais c'est toujours très difficile pour un enfant de voir un de ses parents aller mal. Oui, c'est ça. C'est culpabilisant et ça peut l'entraver dans la construction de sa vie personnelle parce qu'il se sent comme responsable. Finalement, c'est un peu des rapports qui s'inversent. Et même si elle n'a que 21 ans, elle se sent responsable de son père, elle veut l'aider. Et ce faisant, elle est prête un peu, là, à y sacrifier sa vie. Parce que il faut aussi, là, lui dire qu'elle se rend pas compte, forcément, son père, bon, bah, elle aime beaucoup, mais que de là, cohabiter avec lui dans un studio, leur rapport risque de devenir de plus en plus compliqué. D'ailleurs, j'espère, peut-être, vous pensez que lui accepterait ? Alors, je ne sais pas. Là, je pense que non, comme ça, a priori, maintenant, là où il en est, enfin, je veux dire... Oui, il se dégrade, c'est-à-dire ? Enfin, il se dégrade, sa situation se dégrade. D'accord, pas lui. Vous le trouvez pas lui. Lui, par exemple, là, récemment, il a fait des espèces de crises d'angoisse alors que il a un physique parfait. Enfin, je me suis dit, il est en train de retomber sur terre, donc il est en train de se rendre compte qu'il va bien falloir qu'il réagisse à un moment donné. Et puis, il n'est pas dans un délire, il n'est pas. Il vous paraît pas comment dans une forme de mythomanie, c'est-à-dire où au fond, comme il était très orgueilleux, il n'est pas puisqu'au fond, il n'en est pas à se raconter des histoires. Finalement, dans les affaires, je vais poser une question plus directe. Dans les affaires qu'il a montées, c'est jamais allé ça périclite, mais ça ne va jamais jusqu'à l'escroquerie. Non. C'est un problème de gestion. Il n'a pas les pieds sur terre, il n'est pas réaliste. Non, il a un côté naïf, quoi. Il a un entourage. Il parle toujours à des gens au téléphone. Il n'est pas tout seul, quand même, dans son délire, on va dire. Délire entre guillemets. Il n'est pas. Quand je les entends, que ce sont des gens pas fiables non plus. Et il ne s'en rend pas compte. Il s'emballe trop vite, finalement. Il fait confiance. Avec le problème des rêves de grandeur. Et puis voilà, peut-être pour compenser cette enfance un peu. Plus il a besoin d'argent, etc. Et plus il voit grand, plus il essaie d'avoir des grosses affaires. Pour répondre à votre question concernant votre fille, il serait important déjà que vous lui parliez, puisque on sent, je trouve que dans votre, on vous sent bienveillante vis-à-vis de, on va l'appeler votre ex-mari. Oui.
puisque oui, bon, parce que ça m'ennuie. Parce voilà, que on vous sent aussi préoccupé, c'est-à-dire il y a pas de, on sent pas chez vous de hargne, de ressentiment, de colère. Donc, je pense que vos propos porteront d'autant plus puisque votre fille sent bien que c'est pas de l'ordre du règlement de compte et que vos préoccupations sont vraiment fondées. Et vous pouvez lui dire que vous-même vous avez été vous avez eu envie de croire, d'être porté dans ces projets, puis que ça vous a amené quand même à vous trouver dans une situation très difficile, y compris sur le plan matériel, puisque vous êtes encore en train d'éponger ces dettes. Ouais. Et dire ce qu'il faudrait dire oui, de fait, il a par moments, il a beaucoup de qualités, c'est quelqu'un de très généreux, mais il n'est pas du tout, pas du tout réaliste. À un moment, il ne se rend pas compte qu'au fond, c'est pas un gestionnaire, c'est pas. Oui, c'est ça. Donc, ah. Et le problème, c'est que, bon, il n'a pas 20 ans ou 25 ans, ou il en a 63, et qu'il est toujours dans cette perspective-là, et que si elle se met comme ça dans une situation où, au fond, elle l'aiderait pas parce qu'elle le maintiendrait dans une position de dépendance et ça serait pas une bonne chose de toute façon pour lui. C'est peut-être ça. Que moi, s'il a des crises d'angoisse, voyez, je rebondis là-dessus, finalement, c'est peut-être pas plus mal, même si évidemment c'est difficile à vivre pour lui, c'est ce qui peut l'amener à un moment à consulter. De se dire vraiment, parce que les crises d'angoisse, même si ça peut faire très mal, enfin, les gens même peuvent se faire peur, parce que c'est le corps, quand une personne fait une crise d'angoisse, le corps réagit, somatise très fortement, au point que. Il avait des problèmes de respiration. Oui, les gens peuvent se retrouver aux urgences, Donc, finalement, je me dis, puisqu'il y a des symptômes comme ça très forts qui apparaissent, c'est peut-être au fond une bonne chose parce que jusque-là il se maintenait comme il pouvait et à un moment ça va peut-être l'amener à demander de l'aide. Oui. Parce que vous pouvez dire à votre fille que son père, oui, aurait besoin d'aide, mais que c'est pas elle qui peut le prendre en charge parce que elle peut pas, même si vous voulez, même par rapport à son père, ça serait pas une bonne chose parce que ça serait ce retournement de situation où c'est elle qui prendrait soin de lui alors qu'il n'a quand même pas de, il n'est pas handicapé, il n'a pas de maladie grave. Non. Enfin, vous voyez, elle est. Il peut demander de l'aide et il peut, comme vous dites déjà, il pourrait demander sa retraite. Enfin, il n'est pas dans une situation aussi dramatique. Ouais. Au fond que ça, c'est parce qu'il est dans un refus de la réalité aussi, que ça rend les choses très compliquées. Ouais. Moi, je lui ai conseillé, écoute, la meilleure chose que tu auras à faire pour lui, par exemple, c'est d'appeler une assistante sociale pour voir toutes les démarches qui pourraient l'aider. Mais elle me dit, oui, mais il est fermé, il ne veut rien entendre. Pourquoi vous lui avez demandé, au fond, pourquoi elle se sent aussi responsable de son père? Elle me dit parce que c'est son père, parce qu'elle sait que c'est pathologique, parce qu'elle elle fait référence toujours à son passé, son enfance. Donc, il a été abandonné par sa mère. Il était l'aîné d'une grande famille. Voilà, son père savait pas lire ni écrire, etc. Il a eu un trajet difficile Oui, effectivement, oui. Et puis, il s'en est remis, et quelque part, c'est un battant, parce qu'il s'en est sorti quand même aussi. Il y a une partie de lui qui s'en est remis, et une autre qui ne va pas bien encore, qui voudrait presque compenser par un excès, dans ses rêves de grandeur, au fond, comme une revanche sur la vie, aussi sociale. C'est vrai que ça le rend, je comprends, ça le rend très attachant. Mais en même temps, votre fille... ne pourra pas l'aider puisque quand elle vous dit il est bloqué, il est fermé, ramenez-la à ça, c'est-à-dire qu'au fond il s'entête aussi, pour le moment il n'entend pas au fond le fait qu'il aurait besoin d'aide. Non, il n'entend pas. Il entendra d'autant moins si ça vient de sa fille, parce que si vous dites que c'est quelqu'un d'assez orgueilleux, d'assez fier, vous pouvez dire à votre fille, d'abord, c'est pas lui rendre service, et puis il risque de devenir, même il peut être désagréable, de se sentir dans une situation de dépendance vis-à-vis d'elle. Et puis elle est à un âge où elle a sa vie à construire. Et là, c'est en tant que mère aussi qu'il faut lui parler. Elle a sa vie à construire. Et enfin, elle ne devrait pas avoir à choisir entre
ce compagnon avec qui elle est et son père. Ça va pas, ça. Mais je lui tiens déjà ce discours. Hein, mais elle m'écoute, mais je crois que c'est elle est angoissée. Elle est angoissée. Les deux autres ne réagissent pas comme ça. Bon, il y en a un qui a 15 ans, c'est votre fils. Oui. Qui a... Voilà, donc, lui, il a encore. Il se rend compte quand même de la situation, bon, mais il est dans son. En ce moment, hein, c'est l'adolescence. Et oui, ben c'est bien. Il est, lui, pris dans sa vie, dans ses projets. Et celle de l'aîné de 24 ans, elle n'est pas dans cette. C'est un garçon. D'accord. Donc, oui, lui, c'est différent. Il n'a pas la même relation avec son père. Non, ça a été un peu même, je dirais, limite conflictuel à un moment, justement, un problème d'argent, parce qu'il en venait à demander de l'argent à son fils, qu'il avait du mal à rendre. Donc, ça a été limite à un moment. Oui, c'est la seule fille, donc elle a une relation d'autant plus. Il y a moins de rivalité, d'autant plus proche, d'autant plus tendre avec ce père qu'il. Mais vous pouvez lui dire qu'elle a raison. Oui, il y a quelque chose dans les difficultés de son père qui a certainement trait à son histoire, mais que son histoire, c'est pas elle qui peut la réparer. Ou en tout cas, si elle veut le faire, ça va être aux dépens de sa propre vie, à elle. Bah oui, c'est ça. Et ça va pas. Et elle ça. Me dit, elle me demande, mais toi, tu le reprendrais pas à la maison pour tu vas pas le laisser à la rue. Elle en parle comme si c'était un enfant. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, quand on dit même, au fond, l'aîné, son frère aîné, le dit, mais j'ai l'impression, moi, son fils, d'être son père. Oui. Ça lui donne cette impression-là. Qu'est-ce que vous lui dites d'ailleurs à votre fille quand elle vous dit, mais tu le reprendrais pas à la maison? Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, je lui dis, écoute, si c'était pour le dépanner, hein, quelques mois, mais il faudrait plusieurs conditions, c'est-à-dire qu'il touche sa retraite. Voilà. Et qu'il cherche du travail, vraiment, mais un vrai travail, hein, parce que bon, c'est sûr qu'à 63 ans, je suis bien consciente que c'est difficile. Ça va pas être simple. Mais en même temps, il court comme un lapin sur les terrains de tennis, enfin bon, il a de l'énergie. Il a des ressources, il a de l'énergie. Je pense que, par exemple, en restauration, je vais même donner les dates du salon des seniors, là, c'est pour. Donc, oui, on sent que vous êtes très aidante avec lui. Hein, très... Je pense que vraiment, en faisant, au moins qu'il fasse le. Il faut lui dire ton père n'est plus. Il faut lui dire que son père n'est plus un enfant, hein, même si par moments il se comporte comme tel. Voilà. Et que rassurez-la aussi en lui disant il n'est pas à la rue. Parce qu'elle voit, elle envisage vraiment une solution extrême. D'un père. Il n'est pas à la rue pour l'instant, mais je ne vous gâche pas que. Bon, ah, là, bah il est écoutez, oui, mais à ce moment-là, il peut. Il est en location. Déjà, eh bien, après tout, s'il a du mal à joindre les deux bouts pour payer son loyer, qu'il demande à toucher sa retraite, enfin. Mais c'est ça, on n'arrête pas de lui dire. Et, surtout qu'après tout, ça ne l'empêche pas de travailler s'il veut à côté, enfin. Mais qu'il demande à toucher sa retraite. C'est ça. Donc, c'est ça. Bon, vous voyez, donc il faut un peu le mettre par rapport à ça, à cette réalité-là, et puis. Il peut aussi aller voir avec les services sociaux. Il peut peut-être bénéficier de certaines aides. Oui. Donc, et ça, c'est pas votre fille. Enfin, elle va pas. Il est jeune en plus. Vous pouvez lui dire, il a 63 ans. Elle va quoi passer il peut. Et je lui souhaite d'ailleurs de vivre longtemps. Et alors, donc votre fille, elle va rester en couple avec son père. Enfin. Bah oui, c'est non, ça, il faut vraiment être ferme. Dire. Mais c'est parce que la pauvre, elle est prise dans une culpabilité où elle est. C'est elle au fond qui a une attitude. Elle est comme vous d'ailleurs. Hein, vous aussi, je vous trouve très maternelle vis-à-vis de lui quand vous parlez de lui. Mais il faut que vous soyez très ferme avec votre fille, que vous comportiez en tant que parent vraiment responsable comme vous l'êtes, en disant non. Moi, c'est pas de ça dont on. C'est pas. Vous pouvez lui dire, c'est pas aux enfants de s'occuper des parents. Voyez, vous lui dites comme ça. Surtout aux enfants de 20 ans. Enfin, ça va pas, ça. Évidemment, si les enfants en ont 50 ou 60 et que les parents sont âgés, c'est autre chose. Mais on va pas rentrer dans ces détails-là pour pas compliquer les choses pour votre fille. Oui. Vous lui dites, c'est pas aux enfants. Et quel que soit son il est, vous dites, il est en pleine possession de ses moyens physiques, psychiques, il est pas délirant non plus, il souffre pas de troubles mentaux. Oui, il a des difficultés, des fragilités, semble-t-il, c'est pas de l'ordre, enfin, je sais pas, moi je le connais pas, mais d'après ce que vous dites. Et vous pouvez lui dire, oui, il aurait besoin d'être aidé, peut-être, pour parler de cette histoire, mais encore faut-il qu'il le veuille. Et votre fille, elle se rend bien compte, c'est pas parce qu'elle va l'accueillir chez elle dans son studio, et lui dire que
ça serait bien qu'il se fasse aider, qu'il le fera. Ouais. Je vous dis, finalement, Pardon. Et lui, comment le persuader, lui, de... Ben alors, justement, c'est une bonne question. Peut-être en lui disant, écoute, là, vraiment, il faut que tu prennes tes responsabilités. Parlez-lui comme ça aussi, qu'il assume ses responsabilités. Ah ben alors, si c'est ça, il part dans des colères. Après. Ah, peu importe, ouais. vous renvoyez pas par rapport à vous, mais par rapport à votre fille. En disant, parce que finalement, vous pouvez dire que votre fille est très inquiète pour lui, au point de vouloir finalement l'accueillir et le prendre en charge. Et lui, vous pouvez lui dire, écoute, si tu ne veux pas te faire aider, si tu te sens trop fière, fais-le au moins, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour notre fille. Bon, voyez, vous pouvez aussi lui tenir ce discours-là. En disant, vous le ramenez pas, c'est pas au niveau du couple, mais qu'il a aussi des responsabilités et que c'est pas à sa fille, c'est pas à sa fille de les assumer. D'accord. Vous pouvez lui dire de façon, là je le dis de façon, vous pouvez lui dire, mais un peu fermement quand même. L'impliquer en tant que père aussi. D'accord ? Très bien. Bon courage, Nathalie. Merci, tenez bon hein, par rapport à votre fille, hein. Il faut garder le cap là. Parce que... D'accord, merci Caroline. Au revoir, bon. Au revoir Nathalie. Bonne soirée. Ensemble jusqu'à 1h du matin, la nuit est à vous sur Europe 1 et je vous invite à me parler de vous, à me confier vos doutes, vos tourments, vos fragilités. La ligne est ouverte au 39 21, vous pouvez composer ce numéro à tout moment jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez me parler ou parler avec un auditeur ou une auditrice, et vous pouvez également me faire part de tous vos commentaires, de toutes vos réflexions par SMS au 739 21. C'est limité à 160 caractères, donc si vous êtes plus prolixe, eh bien n'hésitez pas à avoir recours au mail sur le site europe1.fr. Quelques messages justement pour Nathalie qui est avec nous dans cette première demi-heure et qui s'inquiétait pour sa fille qui voulait prendre en charge son père. Pnop dit surtout peut-être consulter un avocat pour que ni vous ni votre fille ne vous trouviez impliqués dans des projets un peu foireux. Et puis Sarah qui dit mais enfin vraiment votre fille ne doit pas jouer le rôle d'une compagne par rapport à son père. Et si besoin, si vraiment vous vous rendez compte, Nathalie, que malgré tout, elle s'entête dans cette chose-là, lui redemander pourquoi elle se sent aussi responsable de lui et qu'à ce moment-là, elle pourrait un peu parler de ce lien. On va maintenant accueillir Joël. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir Caroline. Alors, je suis un petit peu émue et content de vous parler. Je voudrais dire déjà un grand merci à Sonia et à Paul, votre assistant, qui ont été très très professionnels, qui savent mettre en confiance. Donc on le dit jamais assez. Merci pour eux. Bah, si, c'est gentil de les mettre à l'honneur. Là, c'est vrai que je suis très bien entourée. Alors vous m'appelez Joël parce que vous avez une demande un peu particulière à faire ce soir. Oui. Parce que vous avez perdu votre chien et... Et vous savez que on aime beaucoup les animaux ici. C'est exactement ça. Donc je suis un peu alors je dis toujours c'est un peu égoïste parce que je pense aux gens victimes. Non mais on va pas mettre évidemment le même voyez non oui, non oui, non. Non mais vous c'est voyez, pas égoïste. Je pense quand même à ces gens-là. On y pense tous malheureusement et on est tous meurtris par ce qui s'est passé, mais c'est vrai que si vous mettez en parallèle, ça fait un peu que c'est pas égoïste, c'est vous avez perdu votre chien et vous en êtes malheureux. Bon, vous avez perdu, je précise, qui s'est enfui, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà, vous n'avez pas de nouvelles. Non, et en fait, elle s'est enfuie. C'est une petite chienne qui s'appelle Bella qui s'est enfuie en voyant un chien qui a voulu jouer avec elle. Et j'ai trois chiens, donc trois chiens à gérer. Ils étaient détachés, comme d'habitude, on jouait tout simplement. Et ils sont partis tous les trois, j'en ai récupéré que deux. Elle s'est retrouvée sur la voie de chemin de fer, donc imaginez le stress que vous avez quand on dit que votre chien est parti sur la voie de chemin de fer. Donc au début, je pensais qu'elle était décédée, excusez-moi, je suis un peu ému.
Et en fait, il s'avère que non, elle a réussi à sortir de la voie. On l'a vue à deux endroits différents. Donc moi, je suis en Seine-Saint-Denis, à côté du Stade de France. Elle a été vue à deux endroits différents. Donc pour être très précis, Gennevilliers puis Épinay-sur-Seine, si vous connaissez un peu la Ben, région je connais parisienne. parce qu'il y a une fourrière à Gennevilliers qui est Exactement. très grande. C'est là où Exactement. j'ai retrouvé, moi, un de mes chiens comme ça, qui s'était Ben voilà. enfui. Et donc, Elle a été vue. Elle a vous y êtes été allé à vue. Gennevilliers? Ah oui, on a, alors je vais vous expliquer, on a donc dès que je l'ai appris, on est allé là-bas. Le problème de ce chien, c'est qu'elle est très, c'est une femelle, donc très peureuse et qui se cache. Les gens ont essayé de l'attraper, elle les a carrément mordus tellement elle est timide et elle est partie. Et je le vis comme un drame personnel parce que bah, c'est un animal, on les aime, enfin moi en tout cas je les aime. On fait tout ce qu'on peut, vraiment, on a vraiment tout fait ce qu'on Mais peut, vous des avez donc des assistances. nouvelles, il y a des gens qui ont pu l'approcher. Le problème, c'est que oui, elle est Non, très bah, apeurée, ouais, quoi. oui, c'est ça. Et elle se cache, ça m'étonne pas d'elle, je la connais un petit peu, elle a 6 ans, donc elle se cache le jour, la nuit, elle a plutôt tendance à bouger. Et bah, écoutez, on a vraiment tout fait, enfin, on fait tout ce qu'on peut, c'est-à-dire on a fait une page Facebook qui est très très active où les gens partagent et je dois les remercier s'ils m'entendent. Pour le boulot formidable qu'ils font. Vous avez des gens qui vous viennent en aide, qui diffusent l'information. On a fait des affiches au niveau des endroits où elle a pu être vue. Avec malheureusement, vous avez des gens très bienveillants et des gens très malveillants. Malheureusement, Oh ben au début, on avait ça, mis. on a de tout, hein. Bon, mais qu'est-ce que ça a donné? Là, ça fait combien de temps qu'elle est partie? Elle est partie le 1er octobre. Voilà, oui. Et là, vous, les Et dernières voilà. nouvelles, c'est quand? Bah, les dernières nouvelles, ça remonte à 3 semaines du côté d'Épinay-sur-Seine, Bon, ben exprès. c'est plutôt encourageant, alors, quand même. C'est que parce Oui, qu'à un oui, moment, oui, si elle a vraiment, ou alors, ça veut dire qu'elle se débrouille très bien, elle trouve à manger, parce que souvent, à un oui. C'est moment, ça. ceux qui sont les plus timides, quand ils ont vraiment faim, c'est là où ils se laissent. Finissent par se C'est laisser exact. attraper, quoi. Bah Enfin, voilà. pas attraper, mais au moins, ils s'approchent. Vous avez tout compris. Je Vous avez connais tout un peu les compris. chiens, à vrai Ben dire. c'est ce qu'on m'avait dit. C'est pour ça que je me suis permis de vous appeler aussi. On suppose aujourd'hui qu'elle s'est faite approcher par quelqu'un qui l'aurait Ah peut-être oui, peut-être recueilli, recueilli. mais qui n'a peut-être pas les moyens de communication actuels qui sont Facebook et autres. Donc on pense à une personne, excusez-moi, je ne critique pas, une personne peut-être un peu âgée qui vous écouterait peut-être. En tout cas, je l'espère. Et votre émission ayant une audience assez importante, quelque part, c'est aussi un appel à l'aide, excusez-moi. Donc, alors, c'est-à-dire concrètement, parce que comment on peut vous aider ça? Si quelqu'un dans les Déjà. environs d'Épinay-sur-Seine, quelqu'un dit, elle est de quelle couleur déjà? Alors, oui, Comment c'est? alors, c'est un Jack Russell croisé. Donc, elle est assez Ah. particulière, elle est croisée, elle est très mignonne. Jack Russell avec du Chihuahua, on pense. Donc, elle est toute blanche, elle a les oreilles toutes dressées marron. Elle est très fine. Alors, il y a une page Facebook qui existe pour ceux qui. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte. Si je peux me permettre de juste Bah, donner donnez-la, ça le. sera plus simple parce que je Voilà. pense que si Voilà. quelqu'un peut-être est susceptible de vous aider, de vous donner un coup de main ou veut avoir des Exactement. informations, le mieux, oui, c'est que vous donniez votre page Exactement. Facebook, oui. Alors, sur Facebook, vous tapez recherche Bella, BE2LA, et vous allez tomber sur une page assez active où, je dois dire, les femmes, en fait, désolé, sans aucune discrimination, les femmes sont très très bienveillantes. Hein, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est Ah bon? un Ah fait. bon, Oui, d'accord. Bon, pourtant, il y a des hommes qui sont très attachés aussi à Ah leurs animaux. Mais oui. Non, peut-être mais je qu'ils osent moins le ne. dire, ils osent moins l'afficher, Peut-être. peut-être. Oui. Peut-être. En tout cas, il y a vraiment des gens qui nous ont aidés, qui nous Oui. aident. Il y Oh, a bah, il y beaucoup a. Ouais. d'associations. Ah non, non, c'est vraiment, je dois le dire, et j'espère que les personnes, si elles m'écoutent, se reconnaîtront. On leur dit un grand merci parce qu'il faut. Parfois, c'est dur quand on part le soir en essayant de la retrouver et que vous rentrez, bah, vous êtes désespéré. En plus, il commence à faire froid. Donc, l'aide que vous pouvez nous apporter, c'est déjà, bah, c'est aussi parler parce Ah que bah ça alors, redonne. donnez cette page Facebook. Alors, c'est-à-dire que c'est dès là, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut Vous faire? quand vous êtes sur Facebook, vous tapez Ah bon. recherche
D'accord. Et vous avez tombé sur une page. D'accord, Fifi me dit qu'il y est, ça y est, donc ça fonctionne. Est-ce qu'elle est pucée? Oui, elle est pucée. Elle D'accord. est pucée, elle est stérilisée, donc tout est en règle. Le souci, c'est qu'il faut que la personne ait la démarche d'aller chez le vétérinaire et que le oui. vétérinaire passe l'appareil pour s'apercevoir que oui, oui. Le chien n'est pas... Voilà. Donc c'est beaucoup de si... Et aujourd'hui, malheureusement, mon chien, je ne sais pas où il est, et c'est un stress. Si vous, vous aimez les animaux, oui, je comprends. Vous pouvez imaginer ce qu'on peut. Déjà, elle est dégourdie, elle est en vie, elle se débrouille pas mal. Donc, effectivement, oui. elle a pu, comme vous dites, être adoptée par quelqu'un qui l'a trouvée. Elle doit être très mignonne, et puis qui ne sait pas forcément que vous la recherchez. Donc qui Exactement. Sait, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va répondre à votre appel. Il y a Pascal qui demande si vous avez appelé la mairie où elle a été vue la dernière fois. Oui, alors d'ailleurs, tout a été un fait, grand remerciement à la mairie d'Épinay-sur-Seine qui a publié une annonce sur son Facebook et son Twitter. Ah après, bon alors ils sont oui, oui, bah, il y a, vrai, ils, y a sont, vraiment oui oui ils sont super il y a vraiment oui. toute une chaîne autour de où est Della oui. alors bon non c'est Bella ou Della Bella avec un B ah avec un B Bella oui d'accord alors allez pour la petite anecdote les chiens en fait quand un chien naît c'est vous avez la première lettre elle est fixée par la date de naissance enfin par l'année de naissance donc On a trois diacrocelles. Le premier était né, c'était l'année des bébés, donc on les a tous appelés bébés. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Bella. D'accord, je comprends. Ce que je peux, là où vous pouvez aussi m'aider, c'est s'il y a des gens qui ont des conseils, parce que malheureusement je suis pas expert. Il y en a qui ont des bons conseils. Alors c'est vrai. Alors il y a Margaret qui dit penser à mettre des affiches aussi chez les commerçants. Oui, c'est fait. Non, voilà. C'est fait. Oh, bah. Oui. Et alors Fifi me dit que votre page elle est super bien faite, hein. Votre page Facebook. Bah, donc pour tous on ceux essaie. Qui vont, je suis sûre que il y a beaucoup d'auditeurs qui vont aller faire un tour et vraiment, j'espère que vous allez avoir peut-être qui sait quelqu'un. Elle est peut-être tranquillement sur un canapé chez quelqu'un qui va dire bah, ah, zut, bien. On met la cherche. Allez. Vraiment, et vous vous donnez beaucoup de mal, de peine, donc on espère que vous allez la retrouver, bah, cette petite chienne. Aussi. C'est quelqu'un qui j'espère a dit bon aussi. Courage pour retrouver Bella. Je vous en prie. On espère que vous aurez de bonnes nouvelles. Merci. Bah, je vous rappellerai. Bah, je vous avec rappellerai. Plaisir, avec plaisir. Merci Joël. Merci. Merci. Bon courage. Bientôt, hein. Au revoir. Au revoir. J'étais sûre que vous alliez être très nombreux à être sensibles à l'appel de Joël qui a perdu sa petite chienne le 1er octobre et qui la recherche depuis vraiment qui se met en quatre pour essayer de retrouver Bella. Il a même fait une page Facebook, hein, recherche Bella. Mais Fan me dit c'est fait. Partagé sur Facebook pour Bella. Pascal qui dit à nouveau la mairie contacte Chenil Service et ils vont vous contacter pour mettre des cages dans les endroits où elle a été vue. Pascal qui dit vous pouvez m'appeler demain et je vous dirai un peu tous les renseignements. Il y a également c'est deux Annie, mais une qui est au Havre et l'autre je ne sais pas. Alors Annie du Havre qui dit il y a un sifflet à ultrasons. S'il va dans le secteur où le chien a été perdu, il sera réceptif. Et s'il retrouve son chien, il peut investir dans un collier avec un GPS. Ça coûte un peu cher, mais c'est efficace, dit Annie. Oui, j'ai appris ça, qu'il y avait maintenant aussi des colliers GPS. Et puis, il y a donc Annie, une autre Annie, qui parle d'un site qui s'appelle chienperdu.com ou alors chientrouvé.com. Et ce renseignement lui a été donné par une clinique vétérinaire. Et c'est vrai que la première chose à faire quand on trouve un chien déjà ou un chat, c'est de l'amener chez le vétérinaire, voir s'il n'est pas pucé et ça permet de retrouver son propriétaire. Il y a Joël qui dit vraiment... c'est pas signé... C'est dit courage Joël, je vous comprends et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Monica dit l'intérêt du tatouage, c'est qu'on peut vite retrouver le proprio. Pour les chiens pucés, il est recommandé de mettre un collier avec un numéro de téléphone. Quelqu'un dit qu'il y a aussi le site Facebook
Pet Alert. Pet pour évidemment animaux, hein, les petits animaux. Didier, il est optimiste, il dit, oh, vous savez, les chiens possèdent une sorte d'horloge, de boussole naturelle, et peut-être par instinct, elle saura vous retrouver. Je pensais que c'était plus les chats d'ailleurs, moi, mais... et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben oui, il y a Bob qui me dit, mais allez, rassurez-vous, Bella est peut-être avec Maître Gims. Voilà, je connaissais pas ça, mais pareil, je dis c'est qui ça, Maître Gims? Ils disent mais c'est un rappeur évidemment, et il a fait une chanson sur Bella. Bien vu. Allez, on espère que vous allez la retrouver. Et puisqu'on parle de toutou, moi je voulais vous parler d'un article que j'ai trouvé un très bel article. Je sais pas comment dire. Dans le magazine Cosette. Déjà, j'aime beaucoup ce que fait Cosette. Cosette de décembre, magazine pour les femmes, plus féminine du cerveau que du capiton. Voilà. Et il y a un article qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de toutou ». C'est un refuge qui est en Haute-Normandie et qui accueille les vieux animaux. En fait, les bêtes qui sont condamnées à être euthanasiées parce qu'elles sont infirmes, parce qu'elles ont des troubles du comportement, voire des troubles mentaux, ça peut arriver. Et ils font un travail formidable avec des bénévoles. Ils accueillent évidemment des chiens et des chiens qui sont parfois très agressifs parce qu'ils ont eu souvent des histoires très compliquées, qui le vétérinaire qui est le responsable de cette association, Thierry Bédossa, dit ils sont surtout en colère après l'homme. Il leur offre la possibilité d'avoir une fin de vie, une belle vie finalement, dans de très bonnes conditions, avec beaucoup de tendresse. Ils essayent de les resocialiser. Ils accueillent aussi d'ailleurs pas que des chiens et des chats, également des chevaux, des vaches. Il y a l'histoire, il parle dans cet article d'un paysan vieillissant qui avait confié ses vaches pour qu'elles lui survivent dans de meilleures conditions. Alors, c'est l'association Aide aux vieux animaux, l'AVA. Elle reçoit aucune subvention, hein, cette association. Et c'est environ quand même 500 animaux qu'il faut nourrir et soigner chaque jour. Donc, un coup de cœur, vraiment. Si vous voulez aller voir leur site, c'est www.avarefuge, tout attaché, 76.com. www.avarefuge76.com. Et il y a de très belles histoires, de très belles rencontres entre tous ces vieux animaux qui sont euthanasiés parce qu'ils ont du mal à marcher, parce qu'ils sont incontinents, parce qu'ils sont agressifs, parce que parfois le maître, malheureusement, est décédé. Eh bien, ils trouvent là un refuge où on prend soin d'eux avec beaucoup de tendresse. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Catherine maintenant qui est avec nous. Bonsoir. Non, c'est pas Catherine, c'est Karine, pardon. Bonsoir Caroline. Bonsoir Karine. Alors moi je vous appelle pour essayer d'avoir un peu votre éclairage et celle des auditeurs sur une situation familiale que je jugerais récurrente et qui me pèse. Oui. Donc l'événement déclencheur aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils qui a 9 ans. Oui. Donc c'est vrai que c'est un âge où ben ce jour-là c'est vraiment particulier, on est un peu le centre d'intérêt. Bien sûr, oui. Oui. Si je fais le bilan de la journée, ben, ça a commencé plutôt bien puisqu'il y a eu un SMS d'une de mes belles-sœurs qui était adressée, oui, pour l'anniversaire, mais malheureusement, elle s'est trompée. C'était son frère qu'elle a nommé dans le SMS. Le frère de votre fils ? Voilà, elle a souhaité joyeux anniversaire au plus jeune de mes fils, en fait. Donc elle a mis 10 minutes à s'en apercevoir, puis elle s'est rattrapée en envoyant un deuxième SMS en disant qu'elle parlait de Noé. Et en fait, bon, déjà par rapport à c'est ces SMS, enfin, ça se fait pas, ça. Ben, disons que c'est un peu récurrent pour mes trois enfants, cette manière de faire. Et c'est ce que je regrette un peu, c'est que tout se fait par SMS de nos jours. Et le fait déjà de ne pas pouvoir se dire, ben, je prendrai un moment quand il rentrera de l'école pour l'appeler, peut-être, même si c'est que 5 minutes. Et encore, à cet âge-là, on peut tenir une conversation. Mais ces SMS arrivent toujours très tôt le matin, et puis ça donne un peu l'impression qu'on se dit « bon, bah c'est fait, j'ai plus besoin d'y penser, c'est fait ». Et puis la journée s'est déroulée. Heureusement, il a eu un paquet à ouvrir, puisque mes beaux-parents avaient été très prévoyants, et puis avaient envoyé, parce qu'on n'habite pas dans la même région. Oui. Nous avons quitté l'Alsace il y a 1 an, et puis voilà. Donc le colis est arrivé hier, et puis mon fils a pu déballer ses cadeaux.
et j'ai envie de dire que c'est tout pour la journée. Il a pourtant d'autres oncles, d'autres tantes, et il a d'autres grands-parents, mes parents, qui n'ont pas eu une pensée pour lui. Et je m'aperçois que c'est récurrent, et que ce n'est pas la première année, finalement. Mais comment ça se fait? Bon, on sent que ça vous fait très mal au cœur, oui. Évidemment, puisque bah, vous, c'est l'anniversaire de votre petit garçon, il a eu 9 ans aujourd'hui, et donc c'est un jour extrêmement important, évidemment, pour vous, pour lui, et ça vous peine beaucoup que votre famille ne semble ne pas manifester, en tout cas, son affection et être présente. Pourquoi? Voilà. Pourquoi c'est, qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement avec cet enfant-là, c'est avec tous vos enfants. C'est pour tous les enfants. Mais parce que vous êtes en froid avec votre famille? Mais non, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de non-dits et qu'on fait peut-être parfois des choses blessantes, mais que personne ne le dit. Notamment là, vous voyez, ça m'a blessée au nom de mon fils. Mais en fait, bon, ils vont sûrement appeler demain. Mais ma question est un peu de dire, est-ce que moi, demain, je dois leur dire que ça m'a blessée? Ou est-ce que je ne dirai rien? Je ne ferai comme si de rien n'était? Oui, non. Bah, pourquoi vous feriez comme si de rien n'était? Non, ça vous fait mal au cœur. On l'entend d'ailleurs, on sent que vous êtes malheureuse là. Ça vous... Oui. C'est normal que ça vous touche. C'est normal. Donc pourquoi vous voudriez faire, vous prendriez sur vous? Il y a même longtemps que vous auriez dû dire, enfin, c'est l'anniversaire. Mais parce que j'ai peur de blesser moi-même. Oui, mais... Enfin, blesser... Bon, comme vous dites, c'est plein de non-dits, hein, pour qu'on en arrive à, généralement, quand même, des grands-parents, des oncles et tantes, savent que même... Et d'ailleurs, parfois, même quand la relation est compliquée avec leur enfant, leur fils ou leur fille... Pour les petits-enfants, c'est une relation différente. Donc, ils tiennent à manifester, à envoyer une petite carte. Vous voyez, si c'est le contact avec le fils ou la fille est difficile, ils peuvent envoyer un petit mot à l'enfant. Mais on ne peut même pas parler de contact difficile. On s'appelle au téléphone, on se voit. Alors, peut-être sans parler de contact difficile, mais quand même un peu distant, on va dire, alors. Oui, et je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Et c'est vrai que ça a des répercussions sur mes enfants. Mais ça vient depuis longtemps. C'est-à-dire, vous, avec vos anniversaires, à vous, comment font-ils? Quand c'est mon anniversaire, oui. Bon, alors, les SMS aussi, bien sûr. C'est un peu ce que je regrette. On est beaucoup à l'ère Facebook, SMS, au lieu de prendre le temps de prendre la plume. Et moi, c'est un petit peu ce que je fais pour tous les membres de ma famille. J'ai beaucoup de neveux, de nièces, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, frères et sœurs, je le fais. Je m'arrange toujours pour que la carte soit là dans les délais. Oh, pas besoin d'écrire des romans. Oui, donc vous souffrez que vous êtes très attentive à tout ça, justement, à ces dates anniversaires, à penser à eux, à manifester que vous pensez à eux, à leur témoigner votre affection. Et en retour, finalement, vous trouvez que... Comme si vous sentiez un peu oublié. Je sens mes enfants oubliés. C'est même pas par rapport à moi. Mais il les voit, vos enfants, ou quels sont les liens que vous avez dans votre famille? C'est ça, moi, qui m'interroge. Alors, là, quand même. Nous avons déménagé il y a un an. Nous avons fait un saut de puce de l'Alsace à la Normandie. Bon. Et ce saut-là n'est sûrement pas étranger un peu à ce qui est latent. Vous voulez dire que votre famille a mal vécu que vous vous éloigniez d'eux? Oui, sans le dire. Toujours encore dans le non-dit. Alors, vous êtes partie avec votre mari, donc? Oui, bien sûr. C'est ça, avec votre mari, vos enfants. Et jusque-là, vous n'aviez jamais quitté la région, votre région natale, l'Alsace. Voilà. Et puis jusque-là, bah, tout le monde était toujours très, très famille, très, très rapproché, très proche les uns des autres. Et c'est vrai que je pense que quelque part, ce départ a été très mal vécu. Mais on ne vous l'a pas dit. Vous l'avez senti à travers des petites réflexions, des petites piques, des... Non, même pas. Rien. Non. Rien. Ça ne se dit pas, finalement. Les sentiments, les émotions, ça ne se dit pas, au fond. C'est ça que vous voulez dire dans les non-dits? On ne manifeste pas plus parfois, ça, un peu sa colère, son ressentiment, que son amour, quoi, ou sa tendresse. Et voilà. Mais j'aurais préféré peut-être qu'on me dise, ça nous fait mal que vous partiez. Mais vous avez raison.
Oui, eux, comme s'ils se sentaient un peu, comme si vous viviez votre vie et qu'ils se sentaient mis un peu à l'écart, eux-mêmes. Peut-être, voilà. Puis ça a commencé. On n'a eu personne pour le déménagement, par exemple. Est-ce que dans votre famille, déjà, je reviens quand même à cette histoire-là, au fait les anniversaires, est-ce que c'est important, est-ce qu'on les, ou pas plus que ça? Oui, je reçois un message de Marie qui dit, vous savez Karine, j'ai des nièces, je ne souhaite pas tous les anniversaires, parce qu'à ma génération, on ne les fêtait pas, dit Marie, et elle ajoute à la campagne. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où on s'aime, on n'est pas forcément très anniversaire dans certaines familles. Il y en a pour qui c'est au contraire très important. Il faut surtout pas. C'est... Et puis il y en a d'autres, non. C'est vrai qu'il y a des traditions aussi familiales. Elle a raison, Marie. Mais la tradition familiale a été toujours de fêter les anniversaires. D'accord. Bon. Et de... D'accord. Bon. Donc par un petit appel ou quelque chose. Mais là, c'est comme s'il y avait une cassure en fait. Et voilà, je trouve que c'est injuste par rapport à mon fils. Oui, par rapport à qu'est-ce qu'il en dit, lui, votre fils ? Eh bien, c'est ça, mon deuxième problème, c'est qu'il n'en a rien dit. Mais peut-être qu'il est moins peiné que vous, finalement, parce que vous lui avez souhaité, son papa aussi, ses frères, vous avez fait quelque chose, vous avez fait un gâteau à l'école, ses copains, vous avez peut-être fait quelque chose. Donc, vous voyez, peut-être que lui, ça lui suffit, au fond. Qu'il n'attend pas, comme vous, ce que je comprends, vous attendez de votre famille. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est quand même ses grands-parents. Ah non, 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 mais attendez. Il aurait au moins pu réagir sur le fait qu'il n'avait pas eu son papier et sa mamie au téléphone. Oui, mais peut-être qu'au fond, est-ce qu'il est très proche de son papier et de sa mamie ? Non. Voilà. Donc, et vous avez déménagé il y a combien de temps, vous me dites ? Il y a un an. Bon, alors il y a un an, il avait 8 ans. Et même lorsque vous étiez proche... Donc, de vos parents, de ses grands-parents, ils n'ont pas créé un lien affectif non. proche. Non. D'accord, donc c'est pas une question seulement d'éloignement géographique. Non, pas du tout. Et je pense qu'en fait, c'est l'inverse. C'est cet éloignement au niveau des sentiments qui a plus ou moins provoqué notre éloignement géographique. Vous, ça vous faisait souffrir ou c'est votre mari qui trouvait un peu curieuse, qui, dans votre famille, votre façon de communiquer ou de ne pas communiquer justement autour de ces sentiments ? Ben, forcément, ça pose question. Ben, non, je vous pose la question parce que parfois, on est tellement pris dans son fonctionnement familial. Chaque famille mm-hmm. a des règles, des... Finalement, que c'est des habitudes tellement ancrées que parfois on n'y fait même plus attention. Enfin, ça nous paraît normal, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais... On est habitué. Et c'est souvent lorsqu'une autre personne et un conjoint arrivent que lui peut être surpris ou choqué ou amusé ou enfin par certaines choses auxquelles nous on ne fait plus du tout attention. Parce qu'au fond, chaque famille c'est un, comment dire, un univers complètement différent d'une famille à l'autre. On ne parle pas la même langue forcément. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est à travers, au fond, c'est ça, c'est est-ce que c'est à travers votre mari qu'il y a des choses qui vous ont un peu sauté à la figure, vous ? Puisque oui. Les grands-parents paternels, si j'ai bien compris, eux sont proches, manifestent beaucoup leur affection vis-à-vis de vos enfants. Et pas mes parents. Et pas vos parents. Et vos parents, est-ce que avec leurs autres petits-enfants, ils sont comme ça, finalement ? Peut-être qu'ils ne sont pas démonstratifs. C'est tout à fait ça. En fait, la prise de conscience n'est pas venue par mon mari, elle est venue par ma sœur, qui, il y a quelques années de ça, a eu la même démarche parce qu'en fait, elle avait l'impression que mes parents ne s'investissaient pas du tout dans leur rôle de grands-parents, pas dans le sens investir, les avoir tout le temps, 24 heures sur 24, etc. Oui. Mais leur témoigner par des gestes, un peu d'affection, quelque chose. Ils ne savent pas être tendres, au fond. Non, avec. C'est vrai. Ils ne savent pas. Et avec vous, quand vous étiez enfant C'était pareil. C'était pareil, oui, c'est ça. Ils ne savent pas exprimer, au fond, leur... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'affection, mais on est peu démonstratif dans votre famille. Oui, tout à fait. Et je trouve que... Ça vous peine. Oui, parce que parfois, on a fait ce constat avec mon frère et ma sœur, et parfois je leur dis, mais c'est pas péjoratif, mais... Nous sommes des handicapés de la communication. Parce oui, je comprends. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. On n'arrive pas à communiquer. Oui, je pense tellement de choses à se dire. Ben oui.
Vous savez, c'est finalement dans beaucoup de familles. Mais c'est vrai que parfois on en prend conscience justement en ayant d'autres modèles de famille sous les yeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puisqu'avant je m'en contentais. Voilà. Je trouvais ma sœur dure quand elle parlait comme ça. Oui. Et finalement, je m'en suis rendu compte quand moi-même je suis devenue maman. Mmh. Vos anniversaires, vous, ça se passait comment, justement ? Oh ben, on les fêtait, ça c'était pas... Et de la part de mes oncles et tantes, j'avais un petit coup de fil ou une carte aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'on lui a un petit peu... Enfin, c'est vrai, c'est mon ressenti, c'est pas le sien. Oui. On lui a gâché son anniversaire, mais c'est oui, vrai c'est plus fou. Vous. C'est... Oui, semble-t-il, il n'a pas eu l'air, il n'a pas exprimé de tristesse, votre fils, aujourd'hui. Non, pas du tout, il était content de sa journée. Ben oui, parce que vous, avec son père, vous lui avez souhaité, il y a ses frères... enfin, il a été fêté aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'était son jour quand même, mais voilà. Je voyais l'heure avancer et je me disais... Vous espériez, c'est important déjà de vous rendre compte, ce que je comprends, vous êtes certainement plus affecté qu'il ne l'est lui. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que ma question c'était, est-ce que je dois le dire à ces personnes, sachant que mon fils n'a pas vraiment été affecté. Ces personnes, oui, qui sont votre famille. Oui, enfin, ces personnes autres, ses oncles et tantes aussi, ses oncles et tantes aussi. Alors, je ne sais pas, quel lien avez-vous, vous, avec vos oncles et tantes ? Néant. Ben voilà, c'est ça aussi, c'est vrai, vous voyez. C'est dommage, ça vous aimeriez avoir des liens plus proches. Eh ben j'ai repris contact plus ou moins avec mes oncles et tantes en étant en quittant la maison. Et c'est vrai que régulièrement, j'ai des oncles et des tantes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, qui m'appellent, je les rappelle, ça fait très plaisir. Et c'est un peu ça, j'ai envie de dire, c'est pas parce que moi j'ai vécu ça que j'ai envie que mes enfants vivent ça, avec des oncles et tantes. Oui, mais vous le ressentez peut-être plus douloureusement à travers vos enfants, parce que ça vous ramène peut-être, vous, à des choses aussi qui vous ont manqué. Tout à fait. C'est là où votre émotion, elle est palpable, hein, où ça vous ramène plus... C'est vous aussi, enfant, enfin, ça vous... C'est comme si vous touchiez du doigt les manques. Mais les manques qui ne sont pas liés, c'est là où c'est important peut-être de faire un peu la part des choses, un manque d'amour. Il y a des familles, comme vous le dites, où on est un peu, je reprends votre expression, handicapé du sentiment. Oui. Où on ne peut pas... on ne peut pas exprimer ses sentiments, ses émotions. Il y a des familles, vous savez, ça ne va pas vous consoler, mais c'est pire, on n'a même pas le droit de les ressentir. Parce que parfois on les ressent, mais on ne peut pas le dire. Il y a comme quelque chose qui bloque. Parfois, en commençant, voyez, ça ne veut pas dire qu'on peut commencer soi-même, lever quelque chose. Et par rapport à la question que vous posez, dire est-ce que je dois leur en parler, ben oui. Pourquoi ? J'ai beaucoup de réactions, ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Hein. Ça montre que ça touche, ça fait écho chez de nombreuses personnes qui nous écoutent, parce que ça parle de finalement comment on se parle dans la famille. Est-ce oui, qu'on se vrai. Parle ? Est-ce que... Vous savez, souvent nos proches, ce qu'on dit nos proches, on sait au fond très peu de choses sur eux. Il y a comme une... Il y a parfois comme un voile, enfin comme un de pudeur qui... C'est en famille, on a le plus de mal souvent à dire les choses. Mais parce... là, trop de pudeur, c'est pas bon. Et... Non. Enfin, je vais vous lire quelques réactions, si vous voulez bien. On aura Aymeric aussi, qui lui il a carrément appelé le 3921 parce qu'il a envie de vous parler. Donc, alors il y a quelqu'un qui dit je comprends parfaitement votre émotion et elle partage Will, je ne sais pas parce que c'est pas signé votre avis, les SMS rapides du matin pour souhaiter un anniversaire, c'est froid. Je préfère comme vous le coup de téléphone où l'on peut parler et échanger. Alors il y a quelqu'un qui dit, si tous les amis de la Libre Antenne, les amoureux de la nuit souhaitaient ce soir un heureux anniversaire à ce petit bonhomme de 9 ans, est-ce que ça vous réconforterait un petit peu ? Il y a quelqu'un qui dit allez, happy birthday. Il y a quelqu'un qui dit Noé, c'est pas Noé si j'ai bien compris, Noé. C'est Noé. Ah c'est Noé, d'accord, je croyais que c'était un autre de vos fils. Bah voilà. On peut dire, de la part de tous ceux qui sont là, souhaite un très bon anniversaire à Noé. Noé, il en a rien à fiche, je pense, parce qu'il dort à cette heure-ci. Et lui, il a eu un bel anniversaire parce que vous l'avez entouré, il a été gâté. Alors,
J'ai pas mal, j'en ai tellement qui arrivent pour vous que j'ai du mal à tous les lire. Oui, Brigitte qui dit exprimez juste votre peine et après vous verrez la réaction de vos parents. Ça vous permettra peut-être au fond de parler un peu, ça donnera peut-être lieu à une discussion. Oui, ben en même temps par téléphone, je trouve que c'est pas évident non plus. Vous voyez comme c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est vrai que je devrais faire le premier pas pour cette communication, parce que... Oui, enfin, vous deviez les appeler ou vous allez les appeler spécialement? Non, je pense qu'ils vont appeler demain en disant que ils savaient que c'était l'anniversaire, mais qu'après il était trop tard, et puis ainsi de suite, alors qu'ils avaient toute la journée pour le faire, quoi. Et pourquoi alors ils appellent le lendemain plutôt que le jour même? C'est toujours comme ça? Ils appellent toujours le lendemain? Oui, mais en fait, ça fait 2-3 ans. J'y ai pensé aujourd'hui, ça fait 2-3 ans. Vous pouvez dire finalement, ça, je lui transmettrai, vraiment, il pourra parler à ses grands-parents, mais dire, ça m'a fait de la peine, en fait. Parce que c'est leur rappeler aussi à quel point ils comptent pour vous. Oui, c'est vrai. Parce que si ça peut vous blesser à ce point-là, ça montre bien l'attachement que vous leur portez. Oh oui, tout à fait. Tout à fait, mais tout est maladroit et oui. On a tellement de mal à se le dire. Ben oui, oui, oui. Oui. Il y a du mal à dire les choses. Ça ne veut pas dire que les émotions et les sentiments ne sont pas là. Mais pour quelqu'un qui n'a pas été habitué, finalement, c'est comme un langage. Enfin, c'est... Et on n'a pas tous la même langue maternelle, hein, à ce niveau-là. C'est quand on arrive dans une famille, dans la belle famille, parfois c'est vraiment... comme si on rentrait dans une terre inconnue, tellement c'est différent les us et coutumes d'une famille à une autre. Oui, mais c'est vrai que c'était un choc parce que, bon, parfois il y a des moments où ça clash un peu, mais au moins les choses sont dites et on repart sur une base saine, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de choses qui, au-delà de cet anniversaire, ça vous ramène à tout ce qui ne peut pas se dire dans votre famille, tout ce qui est de l'ordre de dire peut-être, vous voyez, et on lève pas le non-dit d'un coup. Mais en revanche, vous pouvez, en parlant de vous, de la peine que vous avez ressentie ce jour-là, parce qu'au fond, c'est un jour important pour vous, évidemment, ils le savent, pour eux aussi, certainement, mais... C'est peut-être aussi l'occasion de leur dire qu'ils comptent pour vous. C'est pas parce que c'est pas une question seulement d'éloignement géographique, puisque même quand vous étiez prêt, vous aviez du mal aussi pareil. À dire. Oui, tout bon. À fait. Je reçois énormément de messages, alors je vais essayer de faire un peu le... C'est pas le tri, mais d'en lire le plus possible. Mais je voudrais qu'on accueille Aymeric, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Aymeric. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'appeler justement pour parler à Karine qui est très émue, assez bouleversée parce que finalement c'est sa famille, ses parents, ses oncles et tantes ont oublié ou n'ont pas souhaité l'anniversaire de Noé, son fils qui a 9 ans. Ben oui, c'est son petit garçon, mais moi je le prends du côté de son fils. Parce que moi, j'ai ressenti ça quand j'étais gamin. Moi, j'avais toujours des anniversaires. J'avais des amis et tout ça. Mais vraiment, à part mes parents, mes grands-parents, ça se limitait à ça. Mes oncles, mes tantes, etc. Pour moi, c'était quasiment inexistant. Ah oui, je comprends ça. Et je m'en rendais pas compte. Et pour moi, c'était pas une peine. Parce que je m'en rendais pas compte. Donc, oui, ça ne vous manquait pas. Donc, Karine, vis-à-vis de son petit garçon. Oui. Noé, je vais être un peu direct, mais Noé, il s'en fout un peu. Oui, ça me rassure. C'est des gens qu'il ne voit pas tous les jours. Exactement. Il s'en fout. Oui. Oui, mais c'est bien, vous avez raison de le dire un peu directement, parce que c'est... C'est des gens qui ne sont pas dans son monde. Oui, c'est vrai. Donc, il n'en conçoit pas une douleur. Après, évidemment, si quand il va grandir, etc., oui, s'il continue à l'ignorer de la même manière, il va le prendre nettement plus mal, mais pour l'instant... C'est un petit garçon, donc lui, il est content d'avoir les gens qu'il aime autour de lui. Vous avez raison, Aymeric, il a dû passer une très... Mais exactement.
Le point, c'est important déjà de faire la part des choses. C'est davantage vous qui êtes blessé, touché, oui, parce que vous, étant sa maman, vous auriez aimé qu'on vous fête aussi ce jour-là. Rappelez, c'est évidemment important la naissance de votre enfant. Comment ils ont réagi d'ailleurs quand ils... C'est blessant pour Karine. Oui. De voir que son entourage ne met pas à l'honneur ce jour-là. Ne souligne pas ce moment-là. Oui, c'est ça. Normalement, c'est un grand moment dans une famille. Une naissance, c'est un moment de joie dans une famille. Bon, son entourage ne la soutient pas. Alors justement, Aymeric, ça soulève une question. En attendant, elle a son petit garçon. Bien sûr. Et c'est ce qui compte. Vous avez raison. Et lui, il est là. Comment ils ont réagi justement à la naissance de vos enfants, Karine? Comment c'est la naissance d'un enfant? Est-ce que là, on manifeste de l'émotion? Est-ce que ça peut là un peu transparaître? Au-delà des mots, peut-être dans... Non, vous avez senti... Comment ça se passait? Oui, par des attitudes, oui. Par des... Oui, quand ils sont petits, ils sont très câlins. C'est vrai que c'est plus facile de prendre un bébé dans ses bras. Mais oui, mais oui. Et qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on met une barrière, une distance. Oui, ils étaient heureux, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'ils avaient surinvesti leur rôle non plus. Oui, mais c'est... On accepte le petit, mais on ne le supporte pas. Non, mais je pense que c'est au-delà de ça, Karine. Vous dites vous-même, vous avez la réponse, c'est que c'est plus facile, on s'autorise plus la tendresse... des gestes de tendresse, de spontanéité, avec des bébés ou des tout jeunes enfants, qu'avec des enfants qui déjà, même des enfants de 8, 9, 10 ans, c'est déjà différent, le contact est autre. Et ça passe beaucoup plus par le langage d'ailleurs, que par les gestes. Avec un bébé, bien sûr qu'un bébé, il est important aussi de parler, mais il y a le langage du corps, on prend dans les bras, on peut faire des gestes tendres, des caresses, des câlins. Avec un enfant un petit peu plus grand, bien sûr qu'on peut en faire, mais c'est différent, ça passe beaucoup par le langage. Alors vous le dites vous-même, au niveau des mots, du langage, c'est plus compliqué dans votre famille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc finalement, il n'y a plus vraiment de témoignages et c'est dommage. Ils vont quand même appeler demain. Ils vont lui parler à votre petit garçon. Alors dire, ça serait... Pourquoi pouvoir faire demain ce qu'ils auraient pu faire aujourd'hui? Vous pouvez lui dire, dites-leur, dire c'est dommage. Vous pouvez quitte à dire, Noé serait très content que vous l'appeliez le jour même. Voilà, voulant une petite carte où on pense à vous. Ouais. Et de faire en sorte qu'ils appellent à des heures où lui, il peut répondre. Voilà. Enfin, qu'il puisse les avoir au téléphone. Même s'il est tout petit, il peut parler quand même. Donc, mais oui, bien sûr, c'était ça que j'attendais. Oui, simplement. Mais vous attendez, Karine, au fond, au-delà de ça, vous attendez aussi beaucoup de choses pour vous-même, de vos parents. Certainement. Vous attendez certainement. Aussi de vos parents, ce qui est légitime, mais des marques d'affection de leur part. Voilà. Voilà. Je cherche à savoir ce que je suis en droit d'attendre des autres sans être déçue, en fait. Ne pas attendre trop, mais pouvoir attendre un minimum quand même. Vous savez, on a tous un besoin immense d'être consolés, hein, d'être rassurés. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a manqué, vous. Peut-être que aujourd'hui, ça vous touche d'autant plus que vous touchez du doigt à travers vous qui êtes devenue maman, tout cet échange-là. Et certainement, vous avez pu. Vous voyez que semble-t-il, vous êtes plus à même de manifester de la tendresse. De l'exprimer avec vos enfants, non? Oui, bien sûr, j'essaye, même s'il y a aussi cette barrière, j'ai l'impression que c'est un petit peu la besace qu'on se traîne sur le dos et que, voilà, Karine, c'est l'héritage familial. Oui, Aymeric. Excusez-moi, mais de chercher aussi le lien, toujours le lien, un lien permanent avec votre enfance à vous. Il ne faut pas faire ça. Enfin,
C'est-à-dire que c'est important de faire la part des choses. Vous avez très bien fait de le rappeler, Aymeric, en disant que, au fond, Noé, lui, il a passé une très belle journée d'anniversaire, même s'il n'a pas eu ses grands-oncles, les oncles et tantes. Vous voyez, ça ne l'a pas empêché de passer une très belle journée d'anniversaire et de bien dormir ce soir. Vous, voilà, vous êtes beaucoup plus touché, parce que, comme le dit, j'ai des messages de Gwen qui dit c'est plus quelque chose d'une blessure personnelle plus profonde, comme un manque de reconnaissance, comme le dit Brigitte. Oui, on sent, c'est dur et on le comprend pour vous de ne pas avoir une famille plus attentive, plus démonstrative dans son affection. Mais, ajoute-t-elle, il est vrai que chacun n'a pas la même attitude par rapport aux anniversaires, même au sein d'une même famille. Et à ce propos-là, j'ai beaucoup de messages aussi de gens qui disent que dans la famille, par exemple, ils ne souhaitent pas forcément les anniversaires des neveux, des nièces, et pourtant, ils sont attachés à leurs neveux et nièces. Oui, je comprends. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit « Je suis dans une fratrie de 10 frères et sœurs, on s'aime, on est unis, mais c'est vrai qu'on fête rarement les anniversaires, on est tous mariés, on a des enfants. Les anniversaires, c'est rare, dit cette personne. » Oui, il y a plus quelque chose, c'est-à-dire qu'à travers ça, au fond, c'est peut-être une façon de dire que il y a quelque chose qui vous a manqué à vous, et peut-être plus particulièrement en ce moment que vous ressentez plus vivement, finalement, à travers vos enfants, quelque chose d'un besoin d'être sécurisé, rassuré. Parce que j'ai le sentiment qu'au fond, vous ne doutez pas de l'amour de vos parents pour vous. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous souffrez davantage de pas être... que ça, c'est quel que soit son âge, on peut avoir besoin à un moment d'être un peu rassuré, sécurisé, épaulé, et puis particulièrement un jour comme celui-là, évidemment. Ça vous ramène à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, mais finalement, oui, c'était pas la souffrance de mon fils. Non. C'est non. La mienne. Oui, c'est plus la non, vôtre. Parce qu'il souffre pas, lui. Non. Mais oui, mais ça me rassure, ça m'a fait du bien. Vous avez raison, Aymeric, vous avez appelé, vous avez mis les pieds dans le plat. Et vous avez eu raison, parce que, vous voyez, moi, j'y allais à pas plus feutré. Et au moins, voilà, Aymeric, c'est bon. Vous y êtes allé, bien, non, mais c'est bon. Il dort lui, sur ses deux oreilles, le petit pas. Noé. Mais oui, c'est vrai. Il a sa maman. Oui. Il a sa maman. Mais il oui, a, mais il... oui. Il a sa maman qui l'aime. Il a ce qu'il lui faut autour de lui. Exact. Les considérations psychologiques, oui. ça lui passe 100 km au-dessus de la tête. Mais tant mieux pour lui. Et il y a Frésia qui dit... Peut-être un jour, mais sans plus. Et il y a Frésia qui dit d'ailleurs qu'en le soulignant finalement auprès de votre fils, ça risque de lui faire plus de peine, ce qu'il peut penser au fond, dire c'est vrai, mes grands-parents ils m'ont même pas appelé, enfin comme si du coup il pouvait se sentir rejeté, alors qu'au fond, lui c'est pas son problème. Oui, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Vous avez bien fait, vous avez bien fait, oui, oui. Oui. Parce qu'effectivement, ça ne l'avait pas affecté. Mais moi, ça m'a affecté. Il y a Lou qui dit, c'est vrai que ma famille ne me souhaite pas mon anniversaire, alors qu'elle, elle le souhaite aux autres dans oui, la fratrie. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que vous aimeriez, comme le dit très justement Brigitte, un peu plus. Et c'est légitime. Hein, c'est pas, on le, vous voyez, il y a de très, très nombreux messages qui comprennent très bien, de personnes qui comprennent très bien ce que vous pouvez vivre. Parce que vous êtes d'autant plus attentive, vous agissez avec les autres comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous. Avec mes enfants, du moins. Avec vous, osez le dire. Avec vous aussi. Non, parce que je n'aime pas mon anniversaire. Oui, mais alors on y vient, hein. Le problème, oui, il est là aussi, vous voyez oui, le paradoxe. Enfin, bon, au-delà, pourquoi n'aimez-vous pas votre anniversaire? Parce que je n'aime pas être le centre de l'attention, en fait. Voilà. C'est compliqué, en tout cas, de l'être. Que... C'est compliqué parce que ça vous met... Ça vous met un porte-à-faux. Oui, ça vous met un porte-à-faux. Vous aimeriez, au fond, mais c'est compliqué pour vous. C'est toujours parce que vous avez mesure est-ce que je mérite autant d'attention pour un jour comme ça? Toujours un peu difficile, mais pour un enfant, c'est différent, comme dit, c'est des journées oui, magiques. Mais si vous n'aimez pas votre anniversaire, ça renvoie aussi à des choses de vous, de votre enfance, de ces anniversaires, de ces moments-là, de la façon dont vous les avez vécus, et où on a tous besoin terriblement d'attention, et particulièrement de ses proches, et c'est parfois là où... C'est pour ça que ça nous blesse tant, et c'est
pas parce que ça manque qu'il n'y a pas d'amour derrière. C'est déjà bien que vous arriviez à... Voyez, vous ne faites pas d'amalgame à ce niveau-là. Mais bon, ça, il y a quelque chose qui vous blesse un peu, qui vous fait souffrir. Et je pense que vous pourriez leur en parler. Et peut-être, vous avez bien fait, je trouve, d'appeler ce soir, parce que peut-être que vous en parlerez différemment, du coup, qu'en attaquant bille en tête sur l'anniversaire de votre fils. Et là où vous avez raison, c'est peut-être pas par téléphone, c'est... Mais peut-être que vous allez trouver le moyen d'en parler autrement. Et... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça m'a apaisée de vous parler, d'avoir Aymeric aussi, son point de vue, et puis de me dire que finalement, il a eu une belle journée. Mais oui, lui va. Il a une belle journée. Mais oui. Et il sera content d'avoir ses grands-parents demain, hein. Oui, bah oui. Et peut-être qu'il leur dira, même comme le font les enfants, en disant, bah, c'était hier mon anniversaire. Vous voyez, c'est dire, bon, donc voilà, lui, je pense que, voilà. Et c'est important de faire, tant mieux si ça vous a apaisé, ça permet de bien faire la différence entre vous et votre petit garçon. Allez, on l'embrasse bien fort, vous l'embrasserez bien fort pour nous. Au revoir, Karine, et merci beaucoup, Aymeric. Hein. Au revoir. Au revoir. Continue sur Europe 1 avec vos appels au 39 21, et vous êtes très nombreux à réagir au témoignage de Karine, qui en avait gros sur le cœur parce que son petit garçon qui fêtait ses 9 ans aujourd'hui, Noé, les parents de Karine n'avaient pas appelé, ainsi que les oncles et tantes, et Karine en était très chagrinée. Alors, ça vous fait beaucoup réagir parce que ça amène à parler de la famille et de la difficulté que l'on a à se parler finalement en famille, à se dire que l'on s'aime, que l'on peut compter sur la famille. Enfin, finalement, je crois que ça nous parle à chacun d'entre nous, parce que au fond, c'est peut-être l'endroit où on a le plus de mal à se parler et à se dire. Alors, il y a des familles qui y arrivent très bien. C'est pour ça d'ailleurs que les fêtes telles que Noël, ça suscite souvent, ça crée un peu beaucoup de tension, d'anxiété, parce qu'il y a à la fois une grande attente, on a en tête comme ça cette image d'une famille idéale, et puis au final, ben, on se retrouve avec sa famille qui est pas toujours idéale et des attentes qui sont déçues. Non pas parce qu'il n'y a pas d'attachement, parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il n'y a pas d'affection, mais parce que on ne sait pas toujours bien la manifester. Alors, c'est vrai que vous êtes quand même nombreux à dire à Karine qu'après tout, si c'est quelque chose qui la peine autant et qui renvoie à quelque chose de profond, bah que ça serait bien qu'elle puisse, elle, au fond, en parler à ses parents. Parce qu'il pourrait, au fond, entendre certaines choses. Et nombreux aussi à dire qu'il est important de ne pas, de faire la part des choses. Et elle l'a compris, Karine. C'est-à-dire de pas transposer, au fond, ses propres manques sur son petit garçon, qui, comme le disait Aymeric, lui ne souffre pas du tout, certainement. Enfin, pas de la même façon, en tout cas, que ses grands-parents ne l'aient pas appelé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai, certains s'en retrouvant en disant, oh là là, il n'y a pas que dans la famille de Karine qu'on est handicapé du sentiment, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, moi je... C'est un peu pareil, c'est Feuille d'érable qui dit, je me retrouve complètement dans ce portrait de famille. J'avais un père qui était alsacien aussi, alors je me dis, est-ce que c'est lié à l'Alsace? Pas forcément, non, je crois pas, hein, parce qu'il y a une autre personne, c'est pas signé, mais qui me dit, ben, moi c'est un peu la même chose dans ma famille. Je sais qu'on s'aime, mais qu'est-ce qu'on a du mal à se le dire. Et puis il y a Monica qui dit, ben, alors moi je garde aucun souvenir, à part les superbes gâteaux d'anniversaire de ma grand-mère. Quand même, hein. Ça veut dire que bon, ça s'est imprimé. Et puis quelqu'un dit, tiens, moi je me sers des textos pour dire des mots doux à mes enfants. J'arrive pas à leur dire de vive voix. Ils ont 40 ans, je les aime, mais c'est vrai que je ne peux leur dire que par texto.
C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que c'est ce que je trouve formidable dans les textos, je me retrouve complètement dans ce message aussi, on peut dire des choses qu'on a beaucoup de mal à dire, on l'a, qu'on est sur le bout de la langue, mais ça sort pas, comme s'il y avait une barrière, je sais pas si on peut dire de la pudeur ou autre, mais parce que c'est pas la langue familiale, c'est pas la langue maternelle, et je comprends en revanche, comme le soulignait très bien Brigitte, vous êtes nombreux à comprendre un peu le désarroi de Karine, et qu'il y a des moments particuliers où on a besoin de sentir quand même l'affection de nos proches, de les sentir présents, d'avoir besoin d'être consolé, parce qu'on a besoin d'être consolé à tout âge. Et bon, il y a malheureusement, oui, des familles, des parents qui ne savent pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, je crois. C'est important d'en avoir conscience. Allez, on va maintenant changer de sujet en accueillant Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Comment ça va? Bah, pas très très bien, voilà. Vous parliez de famille, oui, j'en sais quelque chose. Parce que je viens de traverser une épreuve assez difficile, un triple pontage, il va y avoir un an pour Noël. Oh là là, c'est un sacré Noël. Donc, alors. Oui. Et ce Noël-là, je vais me retrouver tout seul à nouveau, donc c'est pas sur ma famille que je vais compter, voilà. Donc même si elle n'est pas si loin que chez moi, elle habite pas très loin de chez moi, c'est pas sur ma famille que je l'ai compté, mais je suis pas là pour ça. Donc suite à ces problèmes de santé, j'ai eu quelques rencontres avec deux femmes différentes. Après, donc, votre intervention. Déjà, ce qui est important, c'est que ça s'est bien passé, qu'aujourd'hui, vous êtes là, et heureusement, maintenant, on a fait la chirurgie cardiaque, ça a fait des progrès considérables. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Si, bien sûr. Vous êtes assez fatigué. Il y a des jours où, de toute façon, j'ai du mal encore à accepter cette intervention. En me regardant tous les matins ou en me déshabillant, bien sûr. Avec la grande cicatrice, oui. Oui, la belle cicatrice qu'il y a sur ma poitrine. Vous avez quel âge, Jean-Michel ? J'ai 48 ans. Ah oui, voilà. Vous êtes jeune, hein ? Ouais. Oh oui, je suis jeune et je suis en pièces détachées. Pour plaisanter, c'est moi qu'on appelle Ikea. Voilà. Je plaisante avec ça parce que oui, c'est compliqué pour vous encore, c'est ça, c'est... Oh, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Voilà. Et bah, surtout cette solitude, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas, quand vous parlez de votre famille, de quelle famille parlez-vous ? Du couple, de vos parents, de... De ma maman et de mes frères, de mes sœurs, voilà. Mais ils n'ont pas été présents pour vous ? Absolument pas. Dans tout ce que j'ai pu traverser, absolument pas. Depuis que ça m'est arrivé, mon intervention, j'ai eu personne de présent. Ils étaient au courant de ce que vous avez subi ? D'après ma mère, oui. D'après ma mère, oui. Maintenant, ma mère, elle dit les choses comme ça l'arrange. Elle est âgée ? Elle a 79 ans, donc après, je ne la chanterai pas maintenant. Donc, je ne sais pas s'ils sont courants, et peu importe s'ils sont courants ou pas. Ce n'est pas ça qui me soucie le plus. Bien sûr que ça me fait du souci. Mais j'ai eu l'occasion de sortir dans une guinguette tout l'été où j'adore danser, j'adore chanter. Et je me débrouille encore assez bien. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme fantastique. Voilà, j'ai vécu 6 semaines merveilleuses. Mais ma maladie fait peur. Ma maladie fait peur aux femmes. Et j'ai une autre dépendance, malheureusement. Et je ne le cache pas, je suis malade dépendant alcoolique. C'est héréditaire. Je n'ai pas choisi cette maladie. J'aurais voulu choisir une autre maladie. Sincèrement, je l'aurais choisi. Oui, alors, attendez. Parce qu'on ne peut pas quand même tout à fait mettre sur le même plan des pathologies telles que des pathologies cardiaques et une dépendance à l'alcool. Mes maladies font peur, même si je suis abstinent depuis des mois. Mais mes maladies font peur. Mes maladies font Déjà... C'est important. Vous dites que, vous voyez, il n'y a pas une fatalité, là. C'est-à-dire que, depuis plusieurs mois, vous êtes abstinent. Donc là, j'imagine que vous avez mis en place tout un suivi, aussi. Bien et peut-être sûr. Lié, d'ailleurs, à votre, vos problèmes de santé, où on vous a dit qu'il était vraiment important de réduire, voire d'arrêter l'alcool.
Oui, voire le tabac aussi, malheureusement. C'est préférable. C'est souvent lié. C'est vrai que ce sont deux dépendances très souvent liées. Malheureusement. Oui, oui, bien sûr. Ça va bien ensemble, malheureusement. Oui, bien sûr. Mais ça a pu jouer, ça a pu peut-être vous éloigner à un moment de votre famille aussi, vos problèmes d'alcool. Ah, bien sûr, je sais que j'ai fait du mal aux gens. Je sais que j'ai fait du mal aux gens. Non, mais c'est... en tout cas, vous vous êtes fait en premier lieu du mal à vous-même. Mais après, évidemment, il y a des choses qui... ça rend les relations compliquées avec l'entourage. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre et renouer, mais il y a tout un lien, une confiance à installer. Ça se fait progressivement. Mes frères et sœurs savent très bien que c'est une maladie dans son conscient. Ouais. Mais ils ne veulent pas l'avoir, cette maladie. Oui, c'est pas... J'entends ce que vous me dites. On a déjà eu un débat et j'ai eu pas mal d'auditeurs qui m'étaient tombés dessus parce que je revenais quand même sur. Je sais qu'il y a tout un débat autour de l'alcool sur le fait de maladie, comme si en disant ça, on disait je suis pas responsable, comme si c'est pas moi. Mais il y a quand même une part. Vous voyez, on peut pas mettre ça comme sur le plan d'une pathologie. J'ai jamais mis ça sur le dos d'une pathologie. Non. Je sais que je l'ai choisi. Je l'ai pas choisi. Je l'ai simplement appliqué. Et la lâcheté de ma part, c'est de m'être mis dans l'alcool il y a des années. Mais c'est même pas, souvent, c'est ce qui est terrible avec ce problème avec l'alcool, c'est que c'est comme vécu comme une infamie et dans les termes, on choisit pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça peut être une façon de répondre à une souffrance. Vous avez raison de dire qu'il y a une hérédité qui peut jouer aussi, y compris une hérédité familiale, parce que quand on a vu aussi les proches des parents répondre à des problèmes, à des souffrances par l'alcool, on peut être tenté aussi de répéter ça. Et puis il y a des gens qui sont plus sensibles, plus fragiles que d'autres, plus vite dépendants aussi. Donc bien sûr qu'il y a plein de facteurs. Mais là où vous pouvez reprendre les choses en main, parce que sinon ça serait terrible de dire comme si c'était une fatalité qui s'abat sur vous et sur lequel on ne peut rien faire. Vous voyez que de vous-même, même si ça a été difficile et même si ça vous a coûté, vous avez pu quand même, depuis plusieurs mois, arrêter. Oui, je suis abstinent depuis 7 mois, oui. Et relativement fier de moi. Ben vous pouvez, vous pouvez. Relativement fier de moi et c'est tout seul qui le fait. C'est personne, c'est moi qui ai décidé. Oui, tout à fait. Et c'est un long chemin finalement de reconstruction personnelle, d'apprendre à prendre soin de vous au fond. Il a fallu malheureusement peut-être qu'il y ait eu ce grave problème de santé pour que vous appreniez à prendre soin de vous, de votre vie. Bah, malheureusement, je suis mon corps, donc... Écoutez, vous savez, c'est compliqué, il faut aussi, c'est difficile d'arrêter tout d'un coup, hein. On a dû vous le dire. C'est compliqué. C'est le tabac le plus difficile. Oui. Le tabac. Je ne sais pas. Vous disent les. Je ne suis pas spécialiste des addictions. On vous dit ça, que c'est plus difficile ça a toujours été plus facile l'arrêt d'alcool que le tabac. Ouais. Maintenant, quand j'ai l'honnêteté de dire aux personnes que je rencontre, j'en ai rencontré deux. Cette année, bon, mais ça s'est fait comme ça par hasard. J'ai vécu 6 semaines fantastiques avec une femme qui, malheureusement, à la fin, je lui ai fait peur avec ma maladie, que ce soit ma maladie cardiaque, et en sachant que j'avais d'autres dépendances. Donc maintenant, j'ai rencontré une femme il n'y a pas longtemps. Oui. Elle aussi, elle a peur. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a peur de quoi, au juste, finalement ? De ce problème avec l'alcool Du problème cardiaque et du problème avec l'alcool. Même en prouvant, même en étant, essayant d'être honnête avec, en disant bah, je suis abstinent, et ça j'en suis sûr et certain. Et que je dis que si vraiment je peux être abstinent, je peux être abstinent. J'ai eu 7 ans d'abstinence, sans l'aide de personne, sans l'aide de médicaments. Oui, vous savez que vous pouvez le faire. Mais dites-moi, vous me dites que vous avez rencontré une femme, donc ça veut dire que c'est récent, ça. Ça date de combien de temps ? Au mois de septembre, on s'est séparés il y a un mois à peu près, voilà. Donc, ça me fait souffrir parce que j'en ai rencontré une dernièrement aussi, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine.
Et j'ai eu l'honnêteté de lui dire que j'avais des problèmes de santé. Je pensais que l'honnêteté payait, d'être honnête envers les gens. Je pensais que ça payait. Je m'aperçois que l'honnêteté ne payait pas. Je me suis aperçu que l'honnêteté ne payait pas. Jean-Michel, je vais vous dire une chose. Pour être honnête avec vous, je pense que peut-être que dans un début de rencontre, il n'y a pas lieu de tout dire d'emblée. Parce que dans un début de rencontre, il faut... Non, mais attendez, je vais aller au bout de ça. C'est-à-dire que on apprend déjà à se connaître, à faire connaissance. Alors, je ne dis pas, bien sûr, avec toutes les répercussions que ça a, les traitements que vous devez prendre, il ne s'agit pas de devoir cacher les choses. Mais c'est-à-dire qu'il est important déjà de créer du lien, de se découvrir, de s'aimer. On s'aime pas, enfin, ça se construit aussi un lien d'amour. Et finalement, il est parfois plus... quand on est attaché à l'autre, on admet plus facilement ses difficultés, on est plus à même de dire qu'on va l'aider, qu'on va essayer de le porter, de les porter avec lui, de traverser ça ensemble. Si dans un début de rencontre où il y a une attirance mais pas encore un attachement et il y a un tableau qui est un peu chargé, ça peut faire peur. Vous voyez, c'est une réaction aussi, c'est humain d'avoir peur et de dire, oulala, dans quoi je m'embarque, au fond. Mais... Donc c'est pour ça que l'honnêteté, vous avez raison, ça ne paie pas toujours. C'est-à-dire que il faut trouver le juste milieu, finalement, et je vous accorde que ce n'est pas simple. Voilà, l'avant-dernière personne que j'ai rencontrée, je ne lui ai rien dit de ma maladie. Bon, malheureusement, elle l'a découvert quand je me suis mis torsionné avec elle. Et elle a eu peur. Oui, alors évidemment. C'est-à-dire que si elle le découvre, elle se dit, elle voit cette grande cicatrice qui barre votre poitrine. Donc oui, c'est mieux de pouvoir en parler et de prévenir, dire j'ai eu des... j'ai été opérée du cœur. Voilà, c'est avant. Donc, après, elle avait moins peur. Parce qu'elle m'a porté, beaucoup. Voilà. Elle m'a apporté 6 semaines de bonheur et moi, n'ayant jamais connu de bonheur dans ma vie, peut-être que le bonheur m'a fait peur aussi. Peut-être que moi, j'ai peut-être pas su m'y prendre. Peut-être moi aussi, de ma part. En tout cas, ce que je constate, c'est que malgré ces difficultés-là, vous rencontrez des femmes, vous plaisez aux femmes. Après, c'est quand même ça. J'ai un avantage, c'est que je plais aux femmes. Eh bien alors, c'est une chance. J'arrive à plaire aux femmes. Alors peut-être qu'après, effectivement, votre désir de sincérité, votre besoin d'être aimé, fait que vous mettez tout sur la table et trop vite. C'est comme je suis anti-honnête et sincère. Non, mais Jean-Michel, non. C'est là où, oui, d'accord, vous êtes comme ça, mais... Il faut aussi, puisque vous vous demandez, vous vous interrogez, c'est-à-dire que vous plaisez aux femmes, vous rencontrez, mais après vous vous dites, ça ne dure pas. Pourquoi ? C'est important aussi, comme vous le faites, de vous interroger. C'est-à-dire qu'en voulant être trop honnête, vous pouvez aussi faire peur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dissimuler, mais on ne met pas d'emblée tout. C'est-à-dire que si vous rencontrez une femme et que vous parlez d'emblée de vos problèmes de santé, vos problèmes d'alcool, votre vie qui a été pas facile, vous n'avez jamais connu le bonheur, et à moins de tomber sur une sainte ou une infirmière, elle peut avoir vraiment peur et se dire « Oh là 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 là, dans quoi je m'embarque ?» Vous comprenez ça ? Donc c'est-à-dire que il faut y aller, mais en mesurant les choses. Et à partir du moment où vous avez créé une relation, vous avez créé un lien, déjà les choses passent différemment parce qu'il y a, après quand la personne est attachée à vous, elle vous prend vous et votre histoire. Mais là, il n'y a pas tout d'un coup une femme qui va vous sauver de tout ça. C'est-à-dire qu'il est important, comme vous le faites, de vous faire aider, certainement vous, de pouvoir avoir des lieux pour parler de tout ce qui vous pèse, là, vraiment. Et pour laisser un peu, justement, à la rencontre amoureuse, un peu de... Comment dire ? De champ pour se développer, pour, voyez, pas charger trop la barque dès le départ. Mais j'ai essayé au départ de pas charger la barque, de cacher un peu les choses, et au fur et à mesure de la relation, donc j'ai avoué les choses,
Et c'est au fur de la relation que les choses ont fait peur. J'ai essayé les deux choses. J'ai essayé de cacher, j'ai essayé de cacher mes dépendances, ma maladie cardiaque. Je me suis aperçu que ça n'a pas payé. Et puis ben, j'ai dit là, j'ai changé de tactique, je vais être honnête. Et je m'aperçois que ça ne paye pas non plus. Oui, mais il y a un juste milieu et je vous accorde que ce n'est pas facile à trouver, que peut-être justement ça serait mieux. Vous, vous êtes suivi, vous, en oui, thérapie. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, peut-être bien ça, sûr. Vous pourriez en parler. De cette difficulté que vous rencontrez, non pas à nouer des relations amoureuses, parce que, et c'est quand même, ça c'est un atout, c'est une chance, vous plaisez, mais dans finalement trouver après comment laisser le temps à la relation de se construire sans d'emblée mettre trop de choses ou par désir de sincérité ou par désir d'être aimé aussi tel que vous êtes. Et y compris oui. Donc avec vos difficultés, vous allez peut-être un peu trop vite et ça met l'autre dans une position de « sauve-moi, aide-moi » qui peut être un peu difficile. Bah, je ne demande pas qu'on me sauve. Non, je, pas directement, mais un pas. Peu implicitement. Oui, sûrement, mais je demande sûrement surtout avoir de l'amour, avoir de la tendresse. Mais tout le monde en a besoin, vous savez. Que je n'ai jamais eu dans ma vie. Oui, mais justement, Jean-Michel, c'est important que vous puissiez en parler de ce manque. Mais quand il y a tellement de manque, ça met l'autre aussi dans une position de, au fond, cette personne-là, elle va résoudre tout ça. Elle doit combler tout ça. Et vous êtes en train de le faire progressivement, en commençant à vous occuper de vous. À travers, il a fallu ce problème de santé, mais pour prendre conscience que votre vie était précieuse, que toute vie est précieuse, qu'il faut un peu apprendre à vous aimer, vous aussi. Et vous aimer, ça commence par prendre soin de vous, être... Vous voyez, et c'est un long chemin, mais que vous êtes en train de faire, finalement. Mais oui, mais finalement, ça finit par me dégoûter, ça finit par me faire très, très, très mal. Et je peux vous certifier que je vis tout seul. Non, mais... C'est à l'aide de ma famille, j'ai pas d'amis. Jean-Michel, vous voyez, là finalement, vous tombez, je pense que sans vous en rendre compte, y compris avec les femmes que vous rencontrez, vous rentrez dans ce schéma-là de je suis seul, je suis malheureux, j'ai une enfance très lourde, j'ai une histoire très compliquée, parce que ça vous pèse, et je comprends que ça vous pèse, et que c'est important que vous en parliez aux personnes, aux professionnels qui sont là pour vous aider, de façon à ne pas le mettre en avant dans une relation amoureuse. Parce que comme le dit Brigitte, vous n'êtes pas, on ne peut pas vous réduire à vos problèmes de santé, à vos dépendances. Donc le risque, c'est qu'en les mettant en avant, eh bien, on ne voit plus votre personnalité, tout ce qui fait que vous êtes aussi celui que vous êtes, et donc pas seulement quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, même si ça pèse lourdement dans la balance actuellement, ou des problèmes d'alcool. Aucune personne ne se réduit, Brigitte a raison, à ses symptômes. Le problème, c'est que quand on souffre, à la fois physiquement et moralement, évidemment, c'est ça qu'on met sur le devant. Et votre personnalité, elle est autre. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre aussi, finalement, parce que l'alcool étouffait tout aussi. Étouffer ben, cette souffrance et étouffer aussi votre histoire, votre singularité finalement. Et c'est ça que les femmes peuvent aimer ou que les gens vont aimer au-delà des femmes en vous. C'est ce qui fait que vous êtes singulier et que vous n'êtes pas qu'un homme qui a été opéré, qui a eu un triple pontage et qui a des problèmes avec l'alcool. Vous êtes bien plus que cela et heureusement. C'est ce que cette femme a aimé chez moi au départ, c'est sans lui avoir dit que j'avais eu des problèmes de santé, ça a été dit au fur et à mesure de notre relation. Ce qu'elle a aimé chez moi, c'était ma sincérité, ma joie de vivre. Parce que malgré que tout ce qui a pu m'arriver, oui, j'ai quand même une certaine joie de vivre. Je suis curieux de la vie, j'aime chanter, voilà. J'aime danser. Oui, il y a aussi ça. Ben voilà. Donc j'adore la nature, j'aime beaucoup, je m'intéresse à plein de choses. Et je ne l'avais pas mis en premier, ça. Et c'est au fur de notre relation que les choses se sont dites. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va aimer aussi tous ces différents aspects de votre personnalité, mais que vous-même vous redécouvrez. Parce qu'à un moment, malheureusement, avec l'alcool recouvre tout.
Il n'y a plus de lien. L'alcool isole terriblement. Il n'y a plus que ce lien de dépendance. Et en sortant de ça, c'est là où c'est une étape aussi qui est un peu sensible. C'est-à-dire que il vous faut réinvestir le monde, des liens avec les autres. Et c'est vrai que ça se fait pas sans mal. Et peut-être, finalement, actuellement, votre principal objectif serait déjà, comme vous le faites, d'apprendre un peu à vous aimer, à vous reconstruire, et physiquement et moralement, ça prend du temps. Et quand vous irez un petit peu mieux, du coup, les rencontres, certainement, que vous ferez, ça sera plus fluide. Parce que vous serez un peu moins en souffrance, vous. Et peut-être qu'après tout, vous pouvez aussi vous donner déjà un peu du temps pour vous-même, pour réinvestir des liens amicaux, des liens affectifs, des liens sociaux, sans forcément que tout passe par la rencontre amoureuse. Et quand vous irez un petit peu mieux, peut-être que les choses se feront, et certainement même plus facilement, d'autant que vous plaisez aux femmes. Et si vous plaisez aux femmes aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous ne leur plaisiez plus dans 6 mois. Et qu'après tout, vous pouvez vous donner ce temps-là. C'est-à-dire, c'est ce que dit Flo. Finalement, prendre, voyez, un peu par ordre. Peut-être déjà investir dans des liens sociaux, des liens amicaux. Reprendre pied, comme ça, avec l'extérieur, avec le monde extérieur. Ça va vous permettre d'aller mieux. Parce que je viens de vivre encore un échec. Je peux vous certifier que je le vis très, très mal. Mais oui, mais j'entends ça. Mais le problème, c'est que... J'ai encore une grande claque de figure et à nouveau, je me renferme. À nouveau, je me renferme. Mais oui, mais alors peut-être... Alors, au lieu de ça, travaillez là-dessus, dans votre espace de thérapie, travaillez là-dessus, sur vos peurs, sur vos fragilités, et vous allez voir que vous allez vous sentir petit à petit plus solide, et qu'à un moment, bah, vous aborderez la rencontre amoureuse aussi différemment, parce que vous n'attendrez pas tout de ces femmes que vous rencontrez. Et elles vont le sentir très vite aussi. Commencez par prendre soin de vous, comme vous le faites. Allez-y, étape par étape. C'est déjà une grande chance de pouvoir être là un an plus tard et en finalement meilleure santé que vous ne l'étiez il y a un an. Donc déjà, ça déjà c'est une chance énorme de pouvoir être là, en vie, et petit à petit, à apprécier de plus en plus la vie, votre vie. Donnez-vous déjà au moins cet objectif-là. Allez-y doucement. Faut pas vouloir les choses trop grandes dès le départ. D'accord ? Courage. À vous, Jean-Michel. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. On voit que Sergio a changé de portable et qu'il galère un peu pour envoyer des SMS parce que sinon, à coup sûr, avec ce titre, il serait déjà là au taquet. Mais c'est dur hein, avec les nouvelles touches, mon cher Sergio. Allez, courage, je compatis. On a maintenant Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Ah, pardonnez-moi, Catherine, excusez-moi, je vous donner 2 petites secondes parce que j'avais quelques messages pour Jean-Michel, ça se fait pas, mais je voulais quand même les lire, après je vais oublier. Il y a quelqu'un qui disait, Jean-Michel, ça serait important qu'il continue à se faire aider pour faire de sa sensibilité extrême un cadeau pour une femme et pas un fardeau. Il y a quelqu'un qui dit, et si vous commenciez par vous aimer vous-même, Catherine qui dit j'aimerais bien l'aider, on va transmettre votre numéro, ma chère Catherine. Et puis il y a Brigitte qui dit ce qui peut faire peur aussi, Jean-Michel, c'est votre manque de vie sociale parce que votre compagne peut avoir l'impression que vous n'avez qu'elle dans la vie. Essayez de recréer des liens déjà un peu pour vous aller mieux. Voilà, c'est à vous, Catherine. Oui. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, moi, j'appelle parce que mon mari est parti fin mai avec quelqu'un. Et donc, moi, je me retrouve à la maison. Et mon mari a pris un appartement. Oui. Et il fait des allers-retours entre cette personne et moi. C'est-à-dire que au départ, il la voyait que dans une association, hein, qui n'était pas, il la voyait pas tous les jours, hein, il la voyait quelquefois une fois par mois. Et puis depuis cet été, tous les week-ends, il passe tous ses week-ends chez elle, et il n'arrive pas à se décider entre elle et moi. Et
Il dit qu'il peut pas quitter la maison. Moi, il est chez lui. Il a de l'affection pour moi. Il arrive, il m'embrasse sur la bouche, il me fait un câlin. Et à la fois, quand je lui pose des questions, il me dit que bon, ben, il couche bien avec elle au week-end. Et donc moi, j'ai essayé plusieurs fois de faire la rupture parce que je ne supporte pas cette situation. Oui, je comprends. Oui, c'est insupportable pour vous, franchement. Oui, complètement. Et à chaque fois, il revient. Et donc moi, comme il a eu des, si vous voulez, comme ça s'est passé, il a eu des soucis financiers avec son entreprise, qu'il est rentré dans le déni puisqu'il n'a rien voulu me dire. J'ai découvert dans son bureau des documents comme quoi il devait beaucoup d'argent. Et puis j'ai eu maman à la maison dans la même période, hein, donc c'est vrai qu'il a fait un transfert de maman sur moi. Enfin, tout ça a provoqué cette fuite, et puis il a rencontré une personne en plus qui me ressemble. Hein. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être un coup de foudre refuge, puisqu'il m'a dit avoir eu un coup de foudre. Et donc du coup comme il est revenu la première fois, je me suis dit que peut-être que, comme je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, il y avait eu mes ententes et puis qu'il revenait à la maison. Hein. Donc je l'ai accepté, puisque moi j'aime mon mari. J'ai accepté qu'il revienne doucement. Mais en fin de compte, au bout d'un moment, je me suis aperçue que de toute façon, de l'autre côté, ça continuait, quoi. Donc tous les week-ends, il passait ses week-ends. Elle habite à 100 km, mais il allait tous les week-ends chez elle. Donc, oui, mais enfin là, il vous fait vivre une situation, je suis désolée. Là, oui, il est quand même, c'est très égoïste. Je fais la rupture et qu'il revient. Et comme je ne sais pas si c'est vrai, enfin, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Et donc là, j'ai décidé dernièrement, puisque là, ce qu'il a fait dernièrement, c'est qu'il m'a invité, pour son anniversaire, pour sa fête, hein, au restaurant. Alors que ben là il était parti, et puis il passe le week-end donc avec elle. Le lundi il me invite au restaurant, il vient débarrasser ses affaires à la maison, il est presque là tous les jours, il déjeune avec moi, il repart en week-end avec elle, il me réinvite le lundi au restaurant. Je lui dis mais oui, comme pour se faire pardonner finalement de son week-end. Ça, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas à faire le deuil de sa vie passée avec moi? Non, parce que visiblement, il est attaché à vous. Oui, mais il vous dit bien. C'est, il a peut-être eu un coup de cœur. Vous parlez du cœur. Moi, je ne situerai pas forcément à ce niveau-là. Cette femme du désir énormément pour elle. Bon, oui, un coup de cœur. Bon, mais finalement, comme quand on s'est connus. Oui, mais enfin, c'est un grand gamin. C'est un grand gamin, totalement, votre mari. Hein, c'est un grand enfant. Hein. Parce que ça, comme c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté, oui, bah évidemment le désir. Et, mais enfin, je trouve que à un moment, vous avez raison, ça peut passer. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas, il veut pas non plus tout quitter et vous perdre. Ben oui, mais moi je peux plus supporter cette situation. Ben dites-lui peut-être plus fermement, non? Ben, moi, j'ai fait déjà trois fois la rupture, parce que j'ai fait deux fois la rupture, il est revenu. Je me suis dit, bon, ben, c'est un comment coup de ça se passe, justement, quand vous dites que vous avez fait la rupture, comment ça se passe? Parce que je lui ai dit, ben, c'est fini, de toute façon, on ne se voit plus, on ne se parle plus. À partir du moment où tu as choisi elle, que tu passes tes week-ends avec elle, moi, je ne peux pas supporter ça. Oui, donc, c'est vraiment très pénible. Il vous met dans une situation... très pénible. Et alors, quand vous lui dites qu'il faut qu'il y ait rupture, c'est-à-dire dans alors, les faits... Quand je lui dis qu'il faut qu'il y ait rupture, au bout d'un moment, il trouve un prétexte parce qu'il a besoin de revenir à la maison. Moi, je ne suis pas sans lui dire qu'il y a du courrier aussi, parce que moi, je tiens à lui. Et peut-être aussi, moi, je fais ce qu'il faut pour qu'il revienne. Je lui dis juste qu'il y a du courrier, puis lui, il accourt aussitôt. Ah, vous me faites rire, vous dites vous faites ce qu'il faut pour qu'il revienne et c'est vous lui dire qu'il y a du coup. D'un autre côté, je fais la rupture, mais au bout d'un moment que la rupture est faite, je lui dis qu'il y a du courrier à venir chercher. Mais c'est-à-dire, c'est quoi faire la rupture? Parce qu'au fond, vous continuez à vous voir. C'est quoi faire la rupture pour vous? Qu'est-ce que vous appelez? C'est ça que je ne comprends pas. Au départ, je me suis dit, il ne faut plus qu'on se voit. D'accord. Puisqu'il est toujours avec elle. D'accord. Donc moi, je fais une rupture, mais en fin de compte, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne. Et oui, donc vous ne faites pas de rupture. Dès que je lui dis qu'il y a du courrier, il arrive tout de suite.
Et puis même où lui trouve des occasions de venir. Et dernièrement, il m'invite, ça s'est amélioré parce qu'il m'invitait au restaurant. Alors moi, je me dis, ça y est, bon, ça va moins bien entre eux, il va revenir. Mais et comment ça se passe? C'est-à-dire que finalement, s'il pouvait, si toutes les deux, vous en particulier, puisque c'est quand même vous la carte maîtresse, vous acceptiez cette situation, ça serait pas mal pour lui. Oui, c'est ce qu'il veut. Finalement, c'est-à-dire, il passe ses week-ends avec sa maîtresse, et puis, la semaine, il passe avec vous, oui, donc alors, il a tout. Voilà, ce que je lui dis, en fin de compte, tu ne veux pas choisir entre elle et moi. Tu Exactement. Veux, moi, dans ta maison, oui. venir me voir, ta garçonnière, puisqu'il a pris un appartement à côté de son truc de loisir, et elle, comme maîtresse au week-end. Donc, tu veux garder cette situation, ça t'arrange. Tu n'as pas de responsabilité vis-à-vis de moi ni vis-à-vis d'elle. Donc, c'est beaucoup plus facile pour toi. Et encore, il vous fait part de ses états d'âme, à savoir que vraiment, oui, c'est compliqué. Il n'arrive pas à choisir, c'est ça? Oui. Enfin, et puis quoi? Donc, vous devez être sa mère, sa confidente. On comprend qu'il ait du mal à vous quitter parce qu'il est attaché à vous. Mais le problème, c'est que là, vous prenez... une position, comme souvent d'ailleurs, enfin, je comprends, comme souvent faire, les... C'est oui, c'est pas simple. Comme souvent dans les couples, j'allais dire les vieux couples, ne le prenez pas mal, mais les couples qui ont un certain nombre d'années, c'est ça que j'entends, c'est pas tant en âge, qui ont de nombreuses années, souvent au fil du temps s'installe, la femme prend souvent un rôle un peu de mère vis-à-vis de son mari. Et là, on le voit un peu comme un gamin qui, il vous dit, c'est comme au début. Depuis le départ, c'est un enfant gâté, puisque c'est déjà un enfant unique qui est né avec une maman qui était âgée d'un remariage, d'une maman italienne. Donc c'est un enfant qui a le droit de... Oui. C'est un enfant trésor qui a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, il continue avec vous. Oui. Il continue puisque finalement il prend sa petite garçonnière, le week-end il se livre à ses frasques et puis après le lundi il y en a qui rentrent avec un gros bouquet de fleurs, lui il vous invite au restaurant et puis c'est reparti. Et puis si ça pouvait durer comme ça, ça serait bien pour lui. Mais moi, je supporte plus. Je comprends. Je comprends. Mais après je lui ai dit le samedi soir quand je suis seule dans mon lit, à quoi je pense? À vous deux qui est dans le même lit, et donc faut arrêter parce que moi c'est plus possible. Oui. C'est où tu vis avec elle. Voilà. Et tu ne viens plus me voir parce que moi je suis autonome, je peux me débrouiller toute seule. Oui, vous avez l'air heureux et on sent que vous êtes une personnalité. Oui. Ou alors il faudrait qu'il se casse un peu les dents, c'est-à-dire qu'il rentre comme ça et que vous ne soyez pas là. Enfin, ou que vous sortiez, vous trouviez des sorties, c'est trop acquis. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, lui, il peut faire ses frasques de son côté le week-end, il va s'encanailler un peu. Et puis la semaine, au fond, c'est pas avec sa maîtresse qu'il a envie de vivre, c'est avec vous. Parce qu'il vous connaît bien, il s'entend bien, vous vous entendez bien, il est dans sa sécurité affective. Il est attaché à vous, puisque... Et au fond, le week-end, il part un peu comme un jeune homme en goguette, là. Il me dit que de toute façon, tant qu'il n'aura pas solutionné ses problèmes financiers, normalement, il y a un expert comptable qui s'occupe de ses affaires. Et normalement, ça doit être terminé au fin décembre. De toute façon, il a besoin de sa sucrerie, quoi. D'après ce que je comprends, encore, et là, je vais préparer des cartons avec ses habits. La dernière fois qu'il est venu, j'ai dit, prends ta valise, t'as quand même des vêtements, là, des polos, des à manches longues, des choses. Il dit, non, pas encore, ça me retient de partir. Et en fin de compte, il veut pas emmener ses cartons. Il ne veut pas emmener ses cartons. Mais non, parce qu'il n'a pas envie de partir. Mais non, il n'a pas envie de partir, mais il me fait jouer, il me fait tourner en bourrique. Avec vous, vous n'êtes pas obligé de me répondre sur le, puisqu'il dit au fond, il retrouve une vigueur, qu'il avait un désir avec vous au début de votre rencontre. Vous aviez
une intimité encore amoureuse, sexuelle avec c'est lui. C'est vrai que notre libido était bien tombé à tous les deux, parce que bah, de toute façon, oui, mais... comme il était dans le déni qu'il avait des problèmes, eh bien, il s'était rempli sur lui-même. Je me demandais d'ailleurs, parce qu'on il voulait plus sortir le dimanche, on partait peu en vacances, je le trouvais morose, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il se réfugiait dans cette association-là de loisirs. Oui, oui. Et en fin de compte, il était mal dans sa peau. Et c'est pour ça qu'il a trouvé un refuge avec cette femme, quoi. Qui lui sert, qui lui tient lieu un peu d'antidépresseur, où il sent de nouveau comme il est. Oui, je lui ai dit, tu. Oui, il retrouve un peu sa jeunesse. Oui, je lui ai dit, tu as disjoncté, tu as besoin d'un. Comment. Tu as besoin. Comment. D'un groupe électrogène. Avant que la lumière revienne. Voilà ce que je lui dis, et je pense que c'est ça. Vous ne manquez pas d'humour. Donc, il a un groupe électrogène, il a trouvé une femme qui fait son groupe électrogène. Oui, oui, mais c'est pas mal. C'est... Oui, c'est amusant. Je n'avais pas vu les choses comme ça. C'est... Oui. Bon, bah, parce que bon, c'est vrai, quand on est amoureux, il y a l'adrénaline. Oui, mais bien sûr. Donc, du coup, ça le sort de ses problèmes d'argent. Du coup, tout est léger, là. Le problème, c'est que vous êtes très fine, très intelligente, vous avez très bien compris les choses, et du coup, vous en devenez, malgré vous, presque trop compréhensive, au fond. C'est ce que vous pensez pas? Ben, ce que je lui ai dit au départ, je lui ai dit, je lui en voulais pas au départ, je lui ai dit, écoute, ça peut arriver, t'es tombé amoureux, t'en as certainement besoin, je te pardonne, de toute façon, c'est comme ça, mais moi je suis toujours amoureuse de toi, je t'ai choisi, moi je me suis ouverte à lui, mais lui il est complètement introverti, il n'arrive pas à dire ses sentiments, donc je ne sais pas du tout... Mais il est très rassuré. Vous lui dites, au fond, vous vous montrez extrêmement compréhensive en disant, c'est vrai que ça vient un moment de ta vie où ça te fait du bien, mais moi je t'aime. Donc il est rassuré. Oui. Il est rassuré. Il peut aller s'encanailler le week-end. Il sait que de toute façon, la semaine, il peut revenir et qu'au fond, il n'est pas prêt de trouver ses cartons, pense-t-il, devant la maison. Mais pourtant, je l'ai menacé un week-end, je lui ai dit que tous ses cartons étaient partis et que je les avais mis à livrer chez elle. Et il a mis un jour, il ne devait pas trouver les cartons, il a mis un jour à chercher les cartons partout et puis ils n'arrivaient pas. Et puis j'ai fini par lui dire, tu vois, quand on manipule, moi je viens de te manipuler, et toi tu fais ça toute la semaine. Est-ce qu'avec vous, quand il vous invite à déjeuner, est-ce qu'il se montre, est-ce qu'il est prévenant, est-ce qu'il est à nouveau, est-ce qu'il vous retrouve un homme un peu qui... L'homme normal, prévenant. L'homme que je... Oui, j'ai remarqué qu'il m'ouvrait la portière maintenant. Voilà. Oui. C'est ça, plus prévenant. Oui, bien sûr. Et puis alors, il m'embrasse toujours sur la bouche, il me fait un câlin. Et je me dis, mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu morbide? Et puis je sais que... Non, c'est pas forcément un jeu. C'est qu'il est déjà, il est dans une autre, parfois, le fait d'avoir justement d'être dans une autre relation peut aussi le stimuler, lui redonner confiance en lui, là où à un moment il avait perdu un peu pied, peut-être y compris sur ce plan-là. Et donc, ça peut recréer même, finalement, de ramener de l'érotisme dans un couple où, là où ça avait un peu disparu. Mais le pire, c'est que quand il me l'a dit, je lui ai dit, écoute, je t'en veux pas, je te pardonne, tu peux être tombé amoureux. Oui, mais trop. Le pire, je lui ai dit 2-3 jours après, mais j'ai dit, en plus, ça m'excite, parce que je vois que ta libido est revenue. Ouais. Et en fin de compte, c'est un peu comme l'amant de Lady Chatterley, de voir l'autre... je voyais pas la femme, je voyais pas l'ennemi en face de moi. Je le voyais, lui, à repartir en amour, à avoir sa libido qui repartait. Et moi, du coup, ça m'avait excitée. Mm-hmm. Et donc après, j'ai voulu lui prouver que je pouvais passer derrière elle. Et puis bien ça s'est même hyper bien passé. Et ça s'est hyper bien passé. Il sait très bien que ça peut très bien marcher, quoi. Mais exact. Et vous avez raison de jouer cette carte-là. Profiter de cette excitation. Il dit, je sais que si je reviens, ça marche avec toi. Voilà.
Eh ben oui, il le sait. Il faut qu'il fasse son travail avec l'autre. C'est-à-dire que finalement, vous, ça vous donne une impulsion. Il y a quelque chose qui est que certains n'osent pas dire, comme vous le dites vous, avec beaucoup de sincérité. Oui, ça peut, le fait qu'il y ait un autre dans le jeu amoureux, ça peut stimuler, relancer votre propre désir. Et du coup, relancer ce qui était... C'était peut-être ce qu'il nous fallait. Mais jouer cette carte-là, parce qu'il sait qu'avec vous, ça marche. Simplement, là, tout ça, c'était un peu assoupi, comme ça arrive souvent au fil du temps. Mais il faut, là, il est trop dans quelque chose d'acquis, au fond. Parce que c'est-à-dire que là aussi, il faut peut-être un peu le... C'est-à-dire, tout dépend, au fond. Je reçois beaucoup de messages pour vous. Et Brigitte dit, la question est celle de votre désir à vous, votre désir profond. Est-ce que vous êtes prête... Mon désir profond, il le sait bien, qu'il revienne. Mais pas en acceptant sa double vie. Sauf, qu'il revienne pour qu'on redémarre quelque chose, justement, de complètement nouveau. Parce que notre relation, elle avait plus de profondeur, c'était du superficiel. Lui, il pensait beaucoup à ses loisirs. Et le problème, c'est que moi, je trouvais qu'il consacrait trop de temps à ses loisirs. Et j'étais en frustration, justement, parce que le week-end, il voulait plus sortir, ou il voulait sortir que dans son truc de loisirs. Il me consacrait plus de temps. J'étais devenue sa mère, son pilier. Trop. Il me tournait autour. Voilà, vous étiez trop devenue sa mère. Et le risque, il est là. C'est-à-dire que vous le connaissez très bien. Complètement. Vous êtes suffisamment intelligente pour pouvoir, je pense, retourner la situation à votre avantage. Mais c'est qu'il faut sa maîtresse, plutôt que sa femme. Je l'entends. Et finalement, profiter aussi de ce que ça fait renaître en vous. Ah oui, mais j'en suis totalement consciente. Mais ça ne veut pas dire tout accepter. Je crois que c'est pas tant un jeu que ça. C'est-à-dire que si vous pouviez au fond accepter cette situation, il serait gagnant. Mais à moins qu'il craigne de vous perdre. Et c'est là où il pense que c'est trop acquis. Alors, ce que j'ai fait pour jouer à un autre jeu, c'est que moi, d'abord, je me suis retrouvée en solitude et puis je me suis retrouvée, quand même, là, je pleure pas, mais j'ai quand même eu des mois... Je veux bien croire que c'est douloureux pour vous. Dans le fond du trou. Oui, oui. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrite dans une agence matrimoniale et puis je lui ai dit, de toute façon, j'ai besoin de redevenir une femme et j'ai besoin de rencontrer d'autres hommes qui vont me sortir. Vous manquez pas de répondants, oui. Je lui ai dit, je me suis inscrite et puis je vais rencontrer d'autres hommes. De toute façon, toi, t'as rencontré une femme, moi, je vais rencontrer d'autres hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il m'a mis des SMS, des fois, il me dit, t'en es où avec tes rencontres? Je dis, pourquoi t'as besoin de savoir? Vous ne lui répondez pas, il ne faut pas lui répondre. En fin de compte. Il faut qu'il se sente lui aussi un peu en danger, finalement. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. Puis je me dis, C'est tellement énorme, j'ai envie de dire. C'est qu'il peut penser, c'est de la provocation, c'est la réponse de la bergère au berger, vous voyez. Enfin, comme si c'était, il pense un peu de forme de représailles, mais que vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de le faire, d'ailleurs. Il s'agit de laisser croire que vous aussi, et lui montrer que vous êtes à nouveau désirable, finalement, et y compris par d'autres hommes. Mais ce qui se passe, c'est que, en fin de compte, moi, j'étais tellement mal dans ma peau que, en plus, comme j'ai eu maman pas mal de temps, c'était de l'enfermement. J'arrivais pas à sortir comme je voulais. Je ne faisais plus les magasins. Et du coup, le fait de m'être inscrite, c'est-à-dire d'avoir signé un contrat, d'avoir fait mes chèques, j'ai pris ma liberté. Et comme le but, c'était de rencontrer des hommes, je suis allée m'habiller. En plus, j'ai perdu 12 kilos. Donc, j'avais la ligne. Après, c'était très bien. On va pas le prendre en inconvénient, le prendre en avantage, parce que j'avais ces kilos à perdre. Et du coup, je me suis réhabillée, vraiment avec des pris mon temps pour me soigner, pour me couper les cheveux, etc. Et, très bien. Du coup, ça m'a complètement boosté dans ma vie de femme. Oui, dans votre libido aussi, parce que c'est ça, vous vous plaisiez mieux, vous vous trouvez. Oui. Et lui, il vous regarde aussi, il peut vous regarder à nouveau, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il m'invite au restaurant maintenant. Exactement. Mais jouez cette carte-là. Vous avez beaucoup de belles cartes dans votre jeu, franchement, parce qu'on vous sent, vous positionnez, même si c'est. Et j'entends bien, c'est pas facile. Mais vous avez vous avez du répondant. Vous avez une forte personnalité. Vous êtes intelligente et vous savez finalement, c'est vous qui menez le jeu.
Beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est dur, si. Hein, c'est dur. Oui, c'est dur. Oui. Ce jeu-là, c'est dur. Hein, Le jeu qui n'est pas un jeu mais pour a, vous. Il y avait aussi un avantage aussi à faire cette inscription et à lui dire. C'est aussi le fait que s'il avait un souci d'un peu de peur d'un reproche, que je lui fasse le reproche d'avoir pris sa liberté, justement, ben, là, il n'avait plus du tout... Moi, j'avais pris la mienne aussi. Hein. On avait... Mais exactement, vous pouvez lui dire, tu crois quand même pas que vous allez attendre comme ça qu'il fasse il mène sa vie comme ça, dire... Ou alors, à ce moment-là, vous pouvez, sous forme un peu de jeu, dire, comme si, dire ben, que de votre côté, à ce moment-là, vous retrouvez aussi votre liberté. Exactement. Oui, ben, c'est ce que je lui ai dit. Il faut qu'il se sente à un moment un peu en danger. Et oui, vous avez très bien sûr été... J'ai un ami aussi qui fait du sport avec moi, qui est dans les mêmes âges que moi, on s'est découvert à force de discuter. Ah, bon, je lui ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est dommage. Malheureusement. Physiquement, je ne suis pas attirée par cet homme. J'ai dit, c'est irrationnel. Hein. Je ne suis pas attirée par toi, par contre, je m'entends très bien avec toi. Oui, mais c'est très bien. Déjà, c'est valorisant pour vous. Vous pouvez sortir avec lui, vous pouvez. Et c'est une très bonne chose, ça vous permet. Catherine, il faut qu'on se quitte, je suis désolée, mais vous pourrez me rappeler avec plaisir. En tout cas, tenez bon. Je sens que le vent va tourner en votre faveur. Je vous embrasse. Je vous embrasse, à bientôt. Je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end. Et je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand. À lundi.